Mhm. Mm bonsoir, bonsoir. Comment ça va tout le monde Ah que comment ça va tout le monde ce mardi soir, on est on est mardi. Hein, en fait, oui, on est mardi. <laughs> ça fait deux fois, ça fait deux fois aujourd'hui que j'ai l'impression qu'on n'est pas mardi. Ah. Oh. Bah ça peut aller, c'est... Ouais, ça sans dire que ça peut aller. Parce que je. Comment expliquer J'ai beaucoup. En ce moment, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de daft dans... dans la bouche. Ça fait très mal quand je parle ou quand je mange. Donc euh... à voir comment je vais être durant le long du stream. Et j'espère que ça va pas trop me détruire. Hey euh... mes bananes Oh eh, eh. Bon donc bonsoir à toi Nico, bonsoir à toi, Birissim, comment allez vous J'ai une banane. Ouais une baleine. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde juste pour un stream qui n'a rien à voir avec TF2. Est-ce qu'il y en a certains ici qui seraient curieux par hasard de savoir ce que c'est Scripts Arena, qui ont pu voir la VOD sur YouTube, voire slash Twitch ouais, C'est chiant les aftos, c'est sûr. Ou est-ce qu'il y en a certains qui sont là pour farmer les points oh, 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 oh. Farmer les points. Alors, euh, je vais cacher ça, j'en ai pas besoin, je vais cacher ça, j'en ai pas besoin. Et c'est tout. Je pense que c'est déjà assez comme ça. Ok. Alors. Oui, toi tu veux savoir. Ah, t'es bien, 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 bien. Après, ça va, c'est. C'est pas la mort, hein. Qu'il y ait du monde qui soit sur le stream et qui soit en mode lurk. Je l'ai déjà dit, hein. moi ça me gêne pas. Hein. C'est juste que sur ce un est impossible pour les points. Mais pas que... Oui. Euh... J'espère que tu tu as regardé au moins la VOD la première VOD parce que là on va directement on aller finir le tutoriel puisqu'il nous reste il nous reste plus que le test final euh, il nous reste plus que le test final qui nous permettra de gagner des clés qui nous permettra en fait de surtout de débloquer les euh, débloquer les les prochains les les niveaux principaux donc euh, j'espère que ce sera pas trop bizarre pour vous et que ça ira. Euh, je vais mettre le chat à gauche, comme ça, puisque je vous ai montré un peu le truc ici. Euh, je vais l'ouvrir, euh, hop, avec VS Code, bien sûr. C'est déjà lequel que tu veux unlock bah, Je ne sais pas trop, je n'ai pas compris comment ça marche. Je ne sais pas si, on doit si ça déverrouille tout, ou euh, si ça déverrouille juste spécifiquement. Parce que je n'ai pas encore trop euh, réfléchi à ça, en fait, pour l'instant. Ah si, euh, attendez euh, Windows pour cent. Voilà, il faut que je mette en place la disposition comme ça pour que ensuite juste ça va faire. What? Non attendez, voilà comme ça, ça prend la place nécessaire. T'inquiète, je vais prendre sur le tas. Ok, oh, pas de problème. Ok. Euh, est-ce que on change de thème? Est-ce qu'on se passe sur le thème foncé ou le thème clair? Est-ce que je peux pas plus zoomer? Oui, si je pourrais zoomer comme ça, ce sera plus visible. Sur le stream. Ok, euh, et on va bien sûr activer Mister Highlighter. Oui, voilà. Le problème, c'est que ça, ça me casse les couilles. Disant que Twitch Highlighter in euh, c'est très thème foncé, parce que si on met thème foncé, Ah, ça donnerait ça, quoi. Il y a toujours l'extension. Ouais, je viens de l'activer. Et en fait, le thème foncé, j'ai travaillé un petit peu. Ah, c'est pas normal ça, attendez. Non, j'ai travaillé un peu sur le thème foncé, mais j'ai pas l'impression que ce soit correct, ça. Il euh... Euh, faut que je corrige ça. Je corrigerai ça plus tard. C'est pas grave. Ah bah oui, il y a l'extension. Alors, on avait dit la dernière fois, on avait commencé à faire un tout un, tout un système de... Euh, un, tout Un système de, de commentaires qui me permettait au moins de mettre une base sur le projet euh, et de voir comment on peut se débrouiller pour survivre la, la game. Donc, concrètement, avant de commencer, il faut expliquer les règles du jeu. Euh, juste avant, je fais ça. Donc, les règles du jeu de, cette, de ce test final, c'est dans ce tutoriel, vous, devez, vous avez un spawn et une source avec de l'énergie. Euh, il y a un groupe de de de, de creep qui vont vous attaquer à un moment donné sur le côté de la map. Vous devez euh, apparaître des faire apparaître des unités de travail, de récolte, d'énergie. Bon, en gros, je vais vous montrer vite fait la, la carte. Voilà, donc c'est normal, je foire parce que je meurs, c'est normal. Donc voici la carte. La carte. Alors la carte, elle est aléatoire, mais voici en peu près la la la, la, dit, la la base de la carte. C'est qu'en gros, euh, en au centre de la carte, j'ai mon spawn et une zone de source, Une source qui va me permettre de récolter de l'énergie, qui va me permettre de, de, de pouvoir poser des unités, pouvoir faire apparaître des unités ou euh, euh, construire des bâtiments. Et les trois ennemis qui sont ici. Alors les trois ennemis, c'est euh, un, euh, une unité de distance, une unité guérisseur et une unité d'attaque normale. corps à corps. Ils n'ont pas énormément de trucs, donc ça devrait aller. Et on s'était dit, la dernière fois, donc il y a deux semaines, qu'à minima, on pourrait faire quatre unités. Nos trois unités de combat, ici présentement, et une unité de travail qui permettra de récolter l'énergie et renouveler les unités, construire des bâtiments. Donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va euh, déjà faire la boucle de, euh, la boucle de, de travail, c'est-à-dire qu'on va faire cette petite boucle à la con. On va utiliser, je vais, je vais juste revenir en arrière sur un des tutoriels, parce qu'on va utiliser ce qu'ils utilisent ici. Donc ça, ça me permettra de faire ça, euh, plutôt de faire ça. Voilà. Et ensuite, il suffira d'aller chercher dans le prototype les prototypes, les constantes dans les constantes et les utiliser dans les utiles selon la documentation. Ce sera plus facile à faire. Euh, Est-ce que, comment on va faire Alors déjà, on va faire une fonction. Euh, euh, non, pas spawn unit. Comment on pourrait faire euh, C'est euh, work unit. En gros, on va mettre la logique de l'unité de travail ici. Donc, bien sûr, on va lui mettre en paramètre une unité. Voilà. Est-ce euh, que je peux mettre un commentaire Ouais, c'est ça. Donc c'est param Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Euh, c'est pas dans cet ordre-là, je crois. Non, c'est pas dans cet ordre-là. C'est dans cet ordre-là. Voilà, ce qui fait que. Euh, prototype script. Alors oui, il n'y a pas d'autocomplétion là-dedans. Est-ce euh, que je vais aller vérifier un truc sur le GitHub euh, On va aller voir sur GitHub. Hop, voilà. On va aller voir sur GitHub euh, s'il n'y a pas dans euh, Scrippers, qui est une organisation. Euh, Allez, on va cliquer sur le truc à la con, hop, creepers et on va aller voir s'il n'y a pas eu un, quelqu'un qui s'est accré... voilà voilà quelqu'un qui s'est pas éclaté par exemple à faire un, un petit dépôt qui permettra d'ajouter des types. Euh, C'est bien pour commencer à coder en vrai s'il faut avoir des bases je pense. Euh, non pas vraiment non parce qu'il faut déjà avoir des connaissances en développement et des connaissances en JavaScript. C'est un peu compliqué. Ok ben bah, on a déjà un système. Euh, en suivant les documents suivants. Ah, mais oui, mais les deux, ça veut dire que. Ah, ça suit, c'est quand même à jour. C'est comme récemment à jour. Le dernier date du 6 jours, donc ça c'est quand même un jour. Euh, attention, installation, following dans package. Ok, alors ça veut dire qu'on va te faire ça. Alors, on va ouvrir un terminal. Euh, pnpm init-y. plus comment on fait pour initialiser un... Ah ok, deux zones. Allons voir ce que c'est. Euh... Ah d'accord, okay, ça fait juste ça. Ok, euh... donc il y a juste taper init. Voilà, donc j'ai généré un package chart. Voilà, un package zone, c'est parfait. Donc pnpm add euh... type arena. Hein Petite question au sujet, est-ce que tu comptes trimer l'invictus euh, C'est une bonne question. J'ai oublié quand est-ce que ce sera. Donc Je vais aller regarder rapidement sur mon autre écran. Euh, mais je, non, je pense que... Save the date, c'est quand euh, C'est dans 9 jours. Non, je ne sais pas trop. À voir si ça, il y a un engouement de ce côté-là. Et bonjour à toi amiral, comment vas-tu Il faut pas pleurer comme ça, du 20 au 31, d'accord Ah et ça c'est cool, c'est à dire que maintenant je peux faire. Non, je peux pas faire ça. Alors, euh, parce qu'il manque un truc, ça s'appelle. Voilà, donc on a le package qui se trouve là et faire un tsconfig. Euh... On va créer un JSConfig plutôt. Voilà. Hop, voilà. Normalement, Allez, type root c'est ça. Donc, JSConfig, euh, si je fais type root, on va aller chercher exactement ce qu'ils disent là. Alors, euh, vérifier quand même que ça, ce soit ça. Types scripts arena mais c'est plus scripts arena c'est arena maintenant ah, si c'est ça scripts arena si je regarde scripts arena dist non pas dist Il y a pas de dossier de dist donc euh, à moins que des scripts arena donc je vais retirer ça voilà comme ça on a, on gère tous les types et le type de spécifique scripts arena ce qui fait que maintenant que je vais ici non, toujours pas. Ah, ok, maintenant c'est bon. Et donc si je fais creep, parce que le type... Non, ça ne veut pas. Ok. Euh, Qu'est-ce que je fais mal Après, je suis en module, donc peut-être que c'est ça le problème. Je vais le supprimer. Voilà. Euh... Uh, new file uh, plutôt uh, est ce que je peux faire ça plutôt ok ça m'énerve hop uh, je vais régénérer il n'arrive pas ok je vais régénérer new file uh, tsconfig.json voilà uh, Qu que quoi qu'est ce que c'est que ça ok je comprends pas ce qui se passe mais ok euh, alors on va faire un truc c'est qu'on va recharger vs code et peut-être qu'il va me casser moins les pieds sur ce sujet je vais supprimer le tsconfig je vais le supprimer vous savez quoi je vais les supprimer je vais les récupérer ici là euh, tsconfig.json row Hop, voilà. Je ouvre un terminal une nouvelle fois. On va aller le récupérer. Reconnecter ce truc-là. Et quitter ça. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai mon TS Config. Qu'est-ce que quoi ce que n'ont pas été trouvés dans le config file spécifié. Password. Et... Oh, euh... deux secondes. Ça va être peut-être plus facile si je fais ça. Euh... Ok, on on va revenir en arrière. On va supprimer ce fichier. Voilà. Et on, va créer le... on va recréer le fichier JS parce que là, euh... c'est n'importe quoi! Et on met type root, on remet exactement ça. Mais on enlève le dist. Ce qui fait que si je retire ça, plutôt si je le remets, clip de game.prototype. Voilà. On va supprimer ça et c'est à dire que là si je fais ça, ça va bien aller chercher l'interface. Nice, ça y est c'est bon. Ok, on a corrigé le problème. <laughs> en gros j'ai perdu, euh, on va dire j'ai perdu quelques minutes le temps de mettre en place l'autocomplétion pour que ce soit plus facile à taper. C'est à dire qu'en gros j'ai juste à faire ça point et il me propose toutes les fonctions que pardon, que me propose le, la, la bibliothèque enfin euh, le, le jeu. Alors on va travailler sur notre unité de travail. Donc on a euh, on a en gros une unité de travail. On va se dire quand même, on va vérifier si, euh, creep.body.find uh, 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 b.type, b.type est équivalent à uh, work. Voilà. Si c'est bon, alors, on, si c'est, alors, plutôt si c'est pas bon, un return false. C'est-à-dire qu'on quitte la boucle, ça sera plus rapide. Ensuite, alors on a notre unité de travail. Notre unité de travail, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire une boucle assez simple. Premier élément, déjà l'unité, quand elle va apparaître, elle ne va pas avoir d'énergie sur elle. Donc si euh, euh, creep.store.get euh, free capacity de euh, resource energy. Et euh, inférieur creep.store.get used capacity of resource energy. Euh, alors, c'est-à-dire que en gros on va aller on va les dire en gros va chercher de l'énergie si tu n'as pas d'énergie. Donc creep.move to alors pas vers le stockage. Euh, en gros on va le voir ah oui on le voir, de toute façon on a d'abord le stockage de le container s'il est construit et s'il n'y a pas le conteneur, ce sera le ce sera le s'il n'y a pas le stockage il y aura donc le euh, ce sera la, la, la source d'énergie donc ce qu'on va faire surtout aussi c'est à dire qu'on va ajouter mes unités ce sera une liste euh, mes structures ce sera une liste aussi de structures, ce seront mes structures qui sont dedans et euh, on va mettre fun... euh, on va pour l'instant rien mettre donc voilà on va dire que euh, si alors plutôt euh, const container égal à my structure .find s alors là comme le problème c'est que euh, on va aussi typer tout ça Ah c'est ça que je voulais chercher var euh, c'est un type donc c'est un type un tableau d'unité c'est ça ah, tableau d'unité non et ni est ce que si je peux faire ça ça marche ah, TypeScript file d'accord et ici ce sera euh, structure container si je regarde structure container c'est un structure, structure container bon on va déjà pour l'instant va revenir en arrière on va faire comme ça et donc si je fais for each si je fais ça c point non ok ça marche pas alors est ce que je peux à la place faire Comme ça. Voilà, ah c'est bon, Ok, j'ai trouvé ma solution et ce qui fait que je peux faire ça. Très bien. Euh, je vais chercher juste une information rapidement dans la documentation in-game. Hop, c'est la structure, c'est filtrer les structures. Euh, le container, structure container il est en own structure et il est en structure qui est en game object donc concrètement my structure ce sera une liste ce sera donc un type list array de owned structure voilà comme ça ce seront mes structures euh, on verra plus tard pour les ennemis donc en gros container sur my structure s s euh structure type est équivalent à structure container alors voyons voir ce qu'est quoi le structure type euh, si on va dans structure container on structure ça a juste my structure c'est un hit hitmax et game object est ce que ce gameobject contient le structure type en question non Alors là, il va falloir faire un test. C'est-à-dire qu'il euh, faut vérifier que... -à structure underscore constant. Ah d'accord. Structure underscore... Non, il n'y a pas. Prototype. Ok, tout simplement ça. Et on fera un console.log container. Pour l'instant, on va pas le mettre container. On va juste vérifier que euh, s'il existe ça, ici sera le container. Mais ici, euh, et ça, ici ce sera un sinon et on dira euh, uh, find, euh, move to find. Alors comment on va récupérer la source Après, il faut juste qu'il aille récupérer la source au bon moment. Donc il faudrait que je fasse euh, const euh, source égale à euh, get object by prototype source voilà. et ce qui fait que si je fais move to source donc en enlacé je fais see creep.harvest source est équivalent à erreur not in range alors on s'y déplace voilà déjà on va tester ça alors, on va tester ça c'est j'ai tester on va faire ça rapidement const spawn égale get object prototype structure spawn spawn je viens de réaliser que c'est mal écrit point create alors, de zéro. Qu'est-ce que c'est que ce. Et la spawn, c'est structure spawn. Donc, structure spawn, point. Spawn creep, d'accord, c'est pas create, c'est spawn creep spawn creep donc body part on va mettre euh, work plutôt c'est pas comme ça qu'il faut mettre c'est work carry move pour l'instant et c'est tout ce qu'on a comme paramètre voilà et euh, bien sûr on peut appeler euh, et euh, new Creep, euh, non plutôt my creep. Push new creep euh... et ça on va le faire si juste pour l'instant c'était du debug hein. c'est pas du équivalent à zéro là c'est juste du test c'est pour voir si euh... si j'ai juste apparaître une unité de travail et ensuite de la faire mar... la faire fonctionner Uh, mycreeps.forEach For each uh, donc uh... hop voilà alors on va mettre une parenthèse sinon ça va me poser de problème uh, work unit creep voilà hop ok on est bon on va voir ce que ça donne non c'est pas ça que je voulais faire uh, test final jouer je me suis trompé Donc là, le but, c'est juste de vérifier qu'on arrive à faire apparaître une unité et que cette unité en question, euh, voilà, cette unité en question puisse aller récupérer l'énergie dans la ressource. Mais là, le problème, c'est que j'ai oublié de faire un truc. Ça s'appelle récupérer les constantes nécessaires au travail. Voilà. Donc on va recommencer. Ah. Et là, il y a bien une unité qui apparaît. Alors on va diminuer la vitesse, euh, on va mettre euh, deux ticks par seconde. Donc on a bien une nouvelle unité qui, qui, qui est apparue maintenant. Euh, je vais revenir en arrière. Je vais... Est-ce que je peux nettoyer... Ouais, je vais juste montrer du tic actuel. Canon Street property find of undefined sur work unit. Ah alors oui, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, si l'unité n'existe pas, en fait, donc concrètement, si clip.id, plutôt, c'est comme ça qu'on va faire ça alors on quitte c'est à dire que si l'unité n'a pas encore apparu on peut pas la faire on peut pas l'utiliser mais bon ça c'est juste correctif on va déplacer tic par tic voilà. alors on arrive ici l'unité euh, l'unité ne fonctionne pas ça marche pas flûte c'est à dire que ce que je mets là ne fonctionne pas Ça retourne à un objet creep, mais le problème de cet objet creep, si je fais, si je fais un petit test rapidement, ce petit objet creep malheureusement, il se remplit pas comme il faut. Voilà, ça va être que du retry, hein. ça va être vraiment, euh, ça va être des essais à gauche à droite. Hein. La banderole est vraiment très faible. Euh, attendez, il y a juste un truc que je vérifie sur Steam. Euh, toc propriété il y a une bêta, voilà. Euh, on va faire un test. Euh, on va redémarrer le jeu après, et on va tester avec la bêta. Alors, j'ai bien un objet creep qui existe. Hit, euh, hit, hit, hit. Donc ça veut dire que l'unité existe. En fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, euh, moment, il y a une erreur. Ok. Ah, parce que possiblement... ce qu'on pourrait faire, c'est surtout ça aussi, puisqu'il n'y a qu'une seule source. On connaît qu'il y a une seule source pour l'instant. On va redémarrer le jeu. Euh, hop, on va aller redémarrer le jeu et on va le relancer avec la, avec le. La... Allez, arrête-toi. peut-être parce qu'il y avait ce code qui est en route derrière. Voilà. Et on le relance cette fois-ci avec la bêta. On va voir c'est quoi ces corrections de rendu. c'est là si on lance le jeu. Alors, voilà. on regarde le replay. Pause. Alors normalement, l'unité ne bouge pas. Ok. Mais ça a bien marché dans le sens où euh, ici on avait bien ce qu'il fallait. Donc c'est-à-dire que ça, ça, ça doit marcher. Donc ça veut dire que il y a un bug possiblement ici. Mm -hmm. Undefined, undefined, shit. C'est à dire que le tableau n'est pas rempli comme il faut. C'est ça. Hein C'est ça dire Qu'ici ça marche, mais ici ça marche plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des, des... 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 des sujets avec Discuter, donc euh, ça, va, ça fonctionne. Hein. ID17, c'est bien celui-là. Hein. ID17, voilà, 5147, il est là. Ok, donc c'est pourquoi. Ah, oui, parce que ça, il y a, ça. Oui, d'accord. Ok. Euh, ok, j'ai compris. Il y, a, il y a un bug dans le sens où euh, si new creep object alors on pousse newcreep.object Et non pas... Est-ce euh, que newcreep ça tient un objet qui... Euh, plutôt, ça contient un objet très spécifique. Si on regarde la structure, ça contient un objet et une erreur. Mais il faut que... Euh, en gros, s'il y a une erreur différente de 0... On peut essayer, hein. Voilà, si on regarde newcreep... En gros, hop, voilà, s'il fait jouer. Voilà. Hop, voilà. C'est ici Object. Comme il n'est pas égal à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a que Objet qui est rempli. S'il était égal à c'est un... plutôt euh, en fait, c'est soit ça envoie un objet qui contient un crypt, soit ça revient une erreur selon les quatre codes ici. Donc si on a l'objet, c'est-à-dire qu'on a la nu... a une nouvelle unité. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'était et là maintenant là maintenant on a au moins l'unité qui arrive, donc si on avance maintenant dans le jeu, l'unité doit faire son travail normalement, or là c'est pas le cas, l'unité ne fait pas son travail bon maintenant il faut trouver pourquoi est-ce que on va jusqu'ici au moins euh, hop. Doc. On va bien ici en fait. On passe bien ici, on passe bien ici. Donc c'est à dire qu'on passe possiblement pas dans la bonne condition. C'est à dire que ma condition est peut-être fausse. Voilà. Maintenant que je sais que je peux faire comme ça. Donc, plutôt on va le faire comme ça. S'il a un conteneur, il y en aura à mettre la logique du conteneur. Et sinon, ici, ce sera les sources. Donc, euh, possiblement, il y a un problème ici. C'est-à-dire que possiblement, il se peut que l'erreur qui me retourne, c'est une erreur du type... Euh, non, enfin... Euh, c'est pas la bonne erreur, quoi. Il faut que je fasse un petit peu plus attention à ce que j'envoie à mon unité, quoi. Alors... Ah, Peut-être possiblement que c'est un problème. Si, Oui, mais... Je suis bête. C'est. <laughs> je viens de réaliser ma connerie. En gros, je dis, est-ce que la capacité disponible dans son, dans son stockage est inférieure à la capacité utilisée, alors faire ça, oui, non, c'est complètement débile, il faut que je revoie cette condition. J'ai même pas fait attention et personne me, ne personne me le dit. Hein. En gros, là, il faut dire si l'unité n'a plus de stockage, enfin n'a plus de plus d'énergie sur elle, alors aller chercher de l'énergie. Donc ça, en fait, on va, on va pas aller plus simple, on va faire creep store.get, euh, si get free capacity de ressources energy est équivalent à creep.store.get capacity. En gros, là, cette fois-ci, je dis, si la capacité libre est équivalente à la capacité totale, cest à dire que sa capacité totale actuellement à l'unité, c'est 50. Donc, sa capacité libre, elle est de 50. Donc, si comme ils sont équivalents, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce que là le problème, c'est que si au moment où, au moment où la capacité libre euh, n'est plus la même chose, il, il s'arrêtera ou il tapera une fois. Donc c'est peut-être pas la bonne solution. C'était quoi la solution précédemment euh, Harvest Energy, juste rapidement. Je me souviens plus ce qu'on a fait. Ah voilà, Get Free Capacity. Euh, S'il a la capacité, oui, puisque ce sera un chiffre et quand c'est à zéro. Ok, je ne comprends, c'est bon, ok. Donc en gros, non, c'est pas ça. En gros, ça ça veut dire euh, si le creep a de la place et donc signifie différent de zéro et donc false. Donc c'est euh, en gros si le chiffre est supérieur à... en gros en javascript il faut dire un truc c'est que si le, le ce que retourne la fonction est égal à 0 ça veut dire c'est un faux donc ça passera plus dans la condition c'est ça que ça veut dire Pardon c'est ça que ça veut dire en fait OK donc c'est bon euh, donc on vient d'en faire un test on vérifie donc là le, 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 le test à vérifier c'est qu'il aille chercher de l'énergie jusqu'à se remplir Et c'est pas ce qu'il fait. Vilain 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 unité Okay. Est-ce que j'aurais pas oublié Oui, j'ai oublié de sauvegarder. Ah là là. Comment ça va sinon Tout le monde, comment s'est passé votre début de semaine, ces deux premiers jours Moins 7, moins 7, moins 7. Voilà, on a moins 7 cette fois, c'est bon. On est allé un peu plus loin. Donc moins 7, ça veut dire que là, il faut ouvrir la documentation. Pour savoir pourquoi moins 7. Moins 7 c'est la cible n'est pas valide. C'est-à-dire que la source n'est possiblement pas la bonne. Et active source. Ah ce serait pas mal ça. Et un truc qu'on pourrait faire, c'est que... On va mettre ça. On va mettre une fonction. Euh... Récupérer l'état de des sources. Donc c'est euh, const source filter Ah bah euh, Copilot il me propose déjà ça. Et euh, plutôt c'est get available source return source point find C'est quoi la ah c'est ça, ah bah c'est filter ça retourne les éléments, oui bah c'est ça. Et ça on va retourner la première source disponible, et pour l'instant, c'est pas le plus important. voir bon, plutôt on va le faire à chaque boucle, plutôt c'est plus facile, dire comme ça on peut faire ça. Ça c'est Jart, Et ici euh, on vérifie euh, const nearest source égale sources.creep.find closest by range sources. C'est ça. Hein. Et si nearest source, si on a une source, à ce moment-là, on fait tout ça là j'ai plus besoin de ça voilà et là normalement ça doit fonctionner sources is not defined shit Voilà, ce sera mieux comme ça. Et même pas besoin de le typer en fait. Puisque ça va être typé automatiquement par ça. Non, on va le typer donc. Voilà. Voilà, il n'y a plus l'erreur c'est cool. Alors qu'est-ce qui se passe Et il va aller chercher de l'énergie. Yay Il se remplit la panse. Et dès qu'il a fini de remplir la panse, normalement, dès qu'il arrive à 50, ça veut dire qu'il va plus, il va arrêter de miner. Voilà. Il a arrêté de miner. Nice. Donc, on a cette étape-là. Étape suivante. Alors, maintenant, c'est savoir qu'est-ce qu'on priorise. On avait noté la dernière fois qu'on pouvait prioriser la chose suivante. Soit on priorise la construction d'unités, soit on priorise la construction de bâtiments. Dans mon, dans l'ordre qui sera logique pour éviter de mourir trop rapidement, on va prioriser la construction d'unités, pour ensuite la prioriser la, la construction des bâtiments après c'est-à-dire que c'est les unités qui vont défendre euh, l'unité de travail donc euh, c'est ça et ensuite sinon ici donc c'est l'inverse c'est-à-dire que euh, si nous avons notre stockage interne plein alors on va euh, chercher le spawn donc là c'est euh, dans my structure donc spawn c'est euh, on va faire ça si my mystructure.find type est équivalent à structure spawn s'il ne trouve pas plutôt s'il ne trouve pas dans les spawns alors get object structure spawn point filter. Ah. et my structure point my spawns et on concatène le tableau c'est à dire qu'on on l'ajoute quoi voilà et ensuite ça on va le retravailler euh, ça on n'a plus besoin dire que maintenant ça on va commenter rapidement on va dire que euh, on va mettre euh, mySpawns une nouvelle fois, Égal à myStructure.FindSpawn, même pour aller plus loin, plutôt que de faire ça, .ForEach, et intégrer ça à la place là-dedans. Donc pourquoi j'ai commenté, allez savoir, un réflexe, un réflexe de travail. Ce qui fait que c'est un jour où on, doit, on peut qu'on a la capacité de construire plusieurs spawns, on pourra faire sur plusieurs spawns. Nice. Euh, je me poser une question à ce propos. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un petit dépôt Git de, de, tous, les, de tous les scripts que j'ai C'est-à-dire que, en gros, l'idée c'est que pour chaque partie du tutoriel, j'en fais un, pas un dépôt, mais un dossier dans un dépôt Git donc tutoriel. Et ensuite j'ai un deuxième dossier euh, Git, un dépôt Git. Donc quand je dis un dépôt Git, c'est-à-dire si on va là-dessus, ce sera ce genre de choses en fait, ce genre de choses avec donc un dépôt Git tutoriel français et un dépôt Git euh, où j'ai ma zone de jeu pour moi, si vous voulez. Ça, ça vous permettra de suivre en même temps, euh... alors peut peut-être pas, peut pas ma, peut-être pas mon projet personnel quand ce sera les jeux, ça sera... mais plus la partie tutoriel. Bon après il y a toujours les sources à l'intérieur hein, mais bon euh, ok donc ça c'est bon et donc sinon euh, const euh, nearest pas source spawn égale my structure .find. et donc creep Uh, find closest by range de uh, mes spawn if nearest spawn et nearest spawn point alors est-ce que c'est dire quoi ça c'est room position oh ah merde d'accord ça retourne un room position ah, c'est intéressant, ça. Mais moi, je voulais pas un room position. Je veux qu'il aille chercher l'objet en question. Ah, c'est désagréable, ça. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt autrement que je peux le faire? Retourne l'objet le plus proche depuis, la, depuis les positions ou nul s'il n'y a pas de position valide. Ok. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être écrire une toute petite fonction. Euh, C'est get object by position. Euh, alors, voilà. Est-ce que pourrait, est-ce que j'aurais pas plutôt autre chose autrement ça? Uh, finding range, non, closest byte path. Ok. Bon. Je vais juste vérifier un truc. Voir si c'est bien un objet euh, avec des positions plutôt qu'un objet complet. Si un objet complet, ce serait. Canadriel property for each of undefined. Ligne 22. Ah Oh Alors, qu'est-ce qui va pas Est-ce que j'ai encore loupé un autre, un autre élément Ah oui Ah oui, ça n'a ça rien fait. Attendez, est-ce que le spawn il m'appartient Oui, spawn... Spot, j'ai mon nom dessus, donc c'est à dire qu'il m'appartient. Ça veut possiblement dire qu'ici il y a un bug. On va voir pourquoi. Ok. Alors, euh, donc ça bien, ça bien retourné ce que je voulais voir c'est à dire ça a bien retourné structure spawn normalement ça ça devrait avoir marché ça après c'est ça c'est peut-être pas concat qu'il faut que j'utilise euh, c'est pas concat qu'il faudrait que j'utilise dans ce cas là ce serait ah oui mais attendez je suis con oh quel abruti fasse ça. Et on fait un let, parce que c'est -ce que concat concatène et retourne. C'est ça. C'est ça en fait le problème. <laughs> J'avais juste oublié ça. Et là, non, ça doit marcher. Est-ce que concat ne, ne, ne modifie pas la variable concaténée, mais il retourne un tableau for each undefined Non, toujours pas. Oui, parce que si la partie est trop longue, en fait, on peut la, la voir en temps réel presque. Et ben là, ça marche. Attendez. Mais mais ben là, voilà. Là, je suis en train de faire une connerie. Une grosse connerie. C'est qu'à chaque fois. Ouais, voilà, c'est à chaque fois. Si ma structure fide... Ah, possiblement structure type doit pas exister. Euh... Alors, dans ce cas-là, si je fais... On va faire un test. Est dire que ça, ça ne marche pas. Euh, Console.log de ça. Ça, je peux le jarter. Il n'y a pas besoin. En gros, je veux vérifier est-ce que ça, ça fonctionne. Si ça, ça fonctionne, dire que si ça me retourne des éléments de travail, j'ai pas plus à me soucier. Voilà, undefined, undefined. En gros, c'est ça le problème. Et si je fais type of s, équivalent à Structure spawn comme ça, Est-ce que ça, ça marche. Chiette. Euh, comment on fait alors Est-ce qu'il y aurait pas un get Oh qu'est-ce qui se passe là? PC et mon VS Code se met à ralentir, mais il y a une puissance. Oh là, alors attendez, on va faire un test. Oui, d'accord, non, c'est pas. Alors, là, je sais pas ce qui se passe. Euh, ça m'inquiète. Euh... Ah le CPU il même pas utilisé C'est quoi ce bordel Pourquoi ça pourquoi ça me fait ça Bon, le le curseur il fait des trucs bizarres. On Undefined, undefined, structure spawn, S, et type of S, undefined. Alors, comment on fait pour tester si c'est un type de. Quel est le type Est-ce que. Bone de structure. Structure hits, hits max. Game object. Exist. Ah, c'est bien ça. C'est pratique. ID, ok. Text decay, Ok. Mm -hmm. Est-ce que, est que j'ai pas un système qui me permettrait arena info oui, voir. C'est l'information sur l'arène actuelle, donc c'est pas intéressant. On peut ajouter des visuels aussi, j'avais je, je, je oublié. Euh, ok, donc c'est peut-être autrement qu'il faudra le faire. Mais structure type, ça n'existe plus, ça. Structure constante, ouais. Structure type T. Ah, mais ça, c'est ajouté, c'est ajouté par le, par ça, quoi. Dire si je fais ça, ça fait quoi? Undefined, 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 undefined. Bah oui, puisque ici, parce que c'est le, le jeu par défaut. Ça n'existe pas, ça, dans l'arena, dans malheureusement. Ça ne sert à rien que je fasse comme ça. Euh... Alors, comment je fais Alors, on va le faire autrement. Euh, comment on peut le faire ça c'est pas bon ça ça dégage ça dire que ça aussi c'est pas bon donc en fait il faudrait que je fasse ici si j'ai une idée et si je le fais comme ça Si je fais comme ça, ça fait quoi C'est débile, mais je vais voir ce que ça donne. Undefined, undefined, Structure Spawn c'est S, et après c'est Undefined. Après, j'ai une autre console Il est il... Ah oui, mais je l'ai deux fois, oui. Ça sert à rien celui-là. Je vais juste nettoyer un petit peu le, le visuel de la log. For each define false. Ah, donc déjà ce qui est sûr c'est que ok c'est ça ça veut dire que c'est false ok. Pourquoi, Pourquoi? Il y est deux fois. Où est-ce que j'ai un autre console.log quelque part? Ah oui ici. Ok. Ensuite tic suivant bah oui il y est deux fois. Normal. Et si je mets type of s. je veux récupérer que ce soit quel type. Mais ça, j'ai pas l'impression que c'est une information qu'on a. ouais ce sera un objet, mais je veux pas un objet. Moi, je veux un. Ah. Ok, 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 ok. C'est un peu plus compliqué. Comment euh... comment, comment, comment 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 Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Après, j'ai une idée, mais j'ai une idée, mais ça va être très 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 étrange. Voilà, et donc même... on n'a même pas besoin de faire ça. point for each chaque spot si donc euh, my structure point find s de s.id alors on va pas l'appeler s, on va l'appeler ms pour mes structures lui faire de s s'il ne trouve pas alors my structure.push s voilà et ça tout ça ça peut dégager et ensuite ici For each. Euh, ah, possiblement, ça veut dire qu'il faut que je sépare, les... je sépare la liste des structures en réalité. Voilà. <tous> je le sépare comme ça et je crois que je vais être obligé de le faire comme ça je peux pas le faire autrement ce qui fait que structure spawn filtre si mais my spawns point fide alors on le push et sinon et après ici pour chaque spawn qu'on a là machin 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 ok 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 c'est mieux comme ça, c'est plus logique. Et en revanche, c'est ici. Euh, donc c'est plus my structures, mais c'est containers. Et là, c'est même plus besoin. J'ai même plus besoin de faire ça en fait. C'est-à-dire, Je peux retirer ça. Euh, je peux faire const con rest, container égal à creep.get find. Closest by range. My Underscore container, c'est même pas besoin en réalité, voilà, je suis juste à faire ça. Hop, voilà. Et c'est pareil ici. Voilà. Et si, et euh, sinon, creep.transfer, near-sport, near energy, rage et mon petit haut copilote, il est très pratique. Et voilà, pratique sa copilote. Hop, et si ça, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, Déjà, ça marche pas. Parce que ça, c'est pas grave. Et ça fait planter tout le tout truc. Container is not defined. Oui, parce que c'est ça. Maintenant, c'est plus le container. Ok, ma faute. J'ai pas fait attention à mon code. Et là, je n'ai plus d'erreur. Je vais juste cocher le ticket actuel. J'ai pas besoin de plus de détails. Et voilà, l'unité se met en route. Il se remplit la panse, comme moi. Et dès qu'il a fini de se remplir la panse, au spawn. Ben voilà. Donc déjà, on a une boucle de travail quand même conséquente. C'est-à-dire que l'unité va récolter l'énergie, stocker l'énergie dans le spawn, pour faire pouvoir réapparaître les unités suivantes. Ah on a 1000 C'est vrai qu'on a 1000. Euh, on va augmenter la vitesse, on va remettre 5 titres par seconde. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai dé décidé de me dire que mon unité ça va être seule dire que euh, je ne veux pas faire apparaître une nouvelle fois une unité donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une nouvelle logique non on va pas ajouter une logique pour l'instant là-dedans on va ajouter une nouvelle logique qui est que euh, on va faire ça const unit euh, body bodies déjà on va faire ça c'est un objet donc on va faire euh, euh, on commence par combien de déjà de vite fait pour revalider un truc on commence de combien d'énergie C'est pas ça que je voulais c'est le spawn. 500 d'énergie. Ok, on a 500 d'énergie par défaut. Euh, donc ça c'est 100, 200, 300, 400. Mais les pour l'instant va mettre attaque, move. Euh, archer. On va appeler archer. Voilà. Ranged Attack Move et Healer Heal Move, mais on n'oublie pas bien sûr de lui dire attention, l'ajoute, ajoute-le à la liste des constantes. Euh, on va faire un truc. On va faire un truc, ça va être plus intéressant de le faire comme ça. Euh, on va appeler ça body et on va appeler ça euh, max. Voilà, max 1, et on va faire la même chose pour les autres, c'est-à-dire que. Voilà, j'ai en gros fait ce qu'on appelle. Je me suis fait un peu un, 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 un genre d'élément de, de, de définition. Donc en gros, euh, l'idée c'est que ça, ce sera euh, ce qui permet de me dire bah, ce sera un worker, un melee, un archer, un healer. Et on va ajouter juste au-dessus, const population. Population, c'est quoi C'est la même chose, sauf que... Ah, c'est pas la même chose, si c'est la même chose, c'est à dire que on aura Worker qui contiendra par défaut 0, euh, Melee, Archer et Healer. Voilà, et en gros, euh, en plus, comme ce sera dans cet ordre là. et on va ajouter une logique de spawn tout spawn Do spawn, qu'est-ce que ça va faire pour chacun de mes spawns on va euh, si spawn. d'accord, il n'y a pas de condition de savoir si le spawn est déjà utilisé. Aïe Je viens de me faire super mal là pas ce que je voulais faire. En gros, on va parcourir pour chaque spawn, mais pas par comme ça. On va d'abord parcourir, donc c'est unit definition.forEach pour chaque définition d'unité. Je vais juste vérifier que ça fonctionne ça. Et on va l'appeler unit. Pour l'instant. Ça, je le commente. Je le commente. Et ici, on va appeler 12 spawn. Juste vérifier qu'on affiche bien les bons éléments. UnitDefinitions.Forge, ce n'est pas une fonction, bah oui, puisque ça, il faut que ce soit un tableau plutôt, un tableau d'objets. Mais c'est pas comme, pas comme ça qu'il faut que je fasse. Euh, on va faire, hop. Non, c'est object.entries de ça. Unit name et unit data. Si déjà unit name s'affiche, c'est la victoire. Hop, voilà. Ce qui fait que le unit name il est là et le data il est là. Très bien. Et ce qui me permet ensuite de me dire ben, si population de unit name donc, euh, est inférieure au max. Parfait, il me le propose. Alors à ce moment-là, on va boucler sur les spawns. Et à ce moment-là, on fera ça. Et si ça, c'est bon, on dit population de unit name plus plus. Voilà, et ça, c'est la logique de spawn maintenant, par défaut. Fait que ça, je vais le jarter. Et si nous avons des unités, pour, sinon on va faire ça, hein, pour chaque unité, voilà, faire le travail. Donc déjà, on va y voir si ça marche. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la logique avant de lancer Dans la logique, normalement, euh, on va aller dire, euh, je récupère donc ma liste de spawn, on s'en fout, mais en gros, quand le spawn est disponible. Il va vérifier d'abord dans l'ordre, c'est-à-dire les unités il se définit ici définies ici. D'abord le travailleur. Si le travailleur, la population est inférieure au maximum, voilà. Alors on, comme on prend euh, le premier spawn dans la liste. Il fait une nouvelle unité. Euh, si euh, l'unité creep object, euh, alors c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que là, probablement, je pourrais spawn 3-4 fois l'unité euh, si je ne fais pas attention. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Qu On va mettre every à la place de for parce que every, il y a un truc qu'il faut savoir. Euh, je peux euh, faire return false pour couper. Comme ça, le premier spawn qui puisse qui peut faire le spawn euh, et qui a réussi à faire un spawn correct, il pourra euh, arrêter toute la boucle. Et sinon, on va jusqu'à ce qu'un spawn réussisse. Voilà. Donc, le spawn, euh, en gros, la logique dit, on regarde si dans les définitions d'unité qu'on a définies ici, euh, on a la capacité, avec la population actuelle, de euh, créer une unité. On prend d'abord les workers. Les workers, on est à zéro, on est donc inférieur au maximum. Alors, on va chercher un spawn qui va me permettre de créer une nouvelle unité. Ensuite, euh, et dès que l'unité est disponible, ensuite, ben, c'est sûr ça. Après, l'unité fait son travail. On voir ce que ça donne maintenant. Donc normalement, on a première chose qui va arriver, c'est qu'on va avoir une unité de travail qui va apparaître et faire son aller-retour entre la source et le spawn. Et le spawn jusqu'à ce qu'on ait euh, l'attaquant, le mêlé, donc je l'ai appelé melee, qui arrive ensuite à apparaître. Alors, bon, je vois que ça ne marche pas en fait. Ah, ça n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché si population my spawns point every spawn euh... possiblement ce est sûrement une erreur vous pariez combien il y a une erreur non Donc déjà déjà c'est à dire que ça ne passe jamais ici est-ce que ça passe au moins ici Ouais, pour le débugger, c'est pas top. Hein. Non, ça passe pas non plus ici. Donc le problème, c'est cette condition. Le problème, c'est cette condition, c'est-à-dire que la logique est là, mais il y a un bug dans les peut-être des éléments. Ah, undefined, undefined. Pourquoi Une unit data de point. Hein Alors unit name, unit data. J'ai raté un truc, c'est pas possible. Voilà. Oh, ok, ça c'est le unit name tout ça en fait. D'accord. Euh Alors, on va faire autrement. Voilà, on va le faire comme ça. Là, non, ça devrait fonctionner. En gros, plutôt que passer par chaque entrée, je vais récupérer chaque clé de, de chaque élément. Ce sera plus facile. 421 ticks. Ouh, c'est une première, ça. Voilà, ça y est. Donc, on a une première unité. Normalement, on devrait pouvoir faire apparaître une autre unité. Autre point, est-ce que l'unité que j'ai fait apparaître correspond à ce que j'ai demandé Work, carry, move. Ah. Ça veut dire que. Ah, ben oui, hé hey, hey, hey. C'est. à dire qu'il faut que je change dans le unit data.body. C'est ça, voilà. On va recommencer. Donc, hop. 409 tic, très bien, et là ça a marché, ça a marché, alors ça a marché. Oui et non. <laughs> Merde. Euh, ça n'a pas l'effet que je voulais. Dire que le. Bah oui, mais ça. Bah non, c'est bizarre ça. Ah, mais ça a dû faire par ordre alphabétique. Ah ok. Donc là maintenant, j'ai besoin que ça, ça devienne un tableau. Là. J'ai besoin que ça devienne un tableau comme ça ça me permettra d'avoir un ordre spécifique et ensuite il suffira juste de changer l'ordre des éléments ou alors plutôt comme ça non comme ça attendez c'est comme ça hop Comme ça et là là la logique de, de tableau sera un peu plus logique comme le nom l'indique voilà et là ça sera l'ordre comme il faut c'est juste que je fais n'importe quoi parce que j'ai pas beaucoup de réflexes ah oui mais là maintenant ça va plus marcher parce que maintenant ça fait plus ce que je veux euh, bah maintenant il n'y a même plus besoin ici de faire ça Puisque Unit Definition c'est déjà un tableau unit name, non unit donc c'est unit data, voilà, ça ça jarte, donc si population de unit data .type, unit data .max. ok, ça ça dégage, j'en ai plus besoin, ok ce qui fait que voilà là ça devrait mieux ça devrait mieux fonctionner. 412 tic. Ok. Mais déjà unit name is not defined. J'ai oublié un truc. Ah, unit name, population de unit data point type. Voilà. Je se tromper. J'avais oublié un truc. Dites-le si vous êtes un peu perdu, que vous voulez un peu d'explication un peu plus détaillé Voilà, donc ça a encore foiré, c'est pas possible. C'est-à-dire que le unit definition il n'est pas dans le bon ordre. Et là, est-ce que j'ai envie avant que j'allais enregistrer avant? Juste vérifier premier tick. Ouais, c'est ça, un type worker. Mais les archer healer. Alors, attendez, parce que... 1, 2, 3, 4, 5... Alors attendez, parce que peut-être qu'il est là le problème. C'est peut-être parce que aussi je suis peut-être allé un peu loin. C'est-à-dire que work c'est 100. Donc j'ai défini 100, 200. Carry, c'est 50. Donc 100, 200, 300. Et move, c'est aussi 50. Donc non, je dois payer 400. Ça, ça doit... Me coûter 400. Le spawn par défaut, il a 500. Pourquoi Il va aller me faire apparaître une unité de guérisseur, un healer à la place. On va pas se casser la tête. C'est, euh... on va ajouter des cons... on va ajouter de la log. Oui ça, ça doit marcher ça normalement. Si j'arrive à taper... Voilà, comme ça sera un peu plus visuel au niveau de la console. Alors, il n'y a même pas une erreur. Ah oui, il y a un seul tic. Et si je fais. Alors, attendez, parce que j'ai oublié un truc. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'erreur C'est bizarre ça. Oh, ou alors, euh, je crois savoir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je viens de comprendre. Et en fait, c'est que. Voilà. Tentative de création de worker, création de worker, de worker. C'est-à-dire ça a marché pour le tick. En revanche, en fait, et ça c'est une erreur de ma part, c'est qu'en fait, il faudrait que... Euh, quand une unit, quand on a ça, il faudrait vraiment couper la fonction. Donc ça veut dire que même ici... Ici, je devrais mettre ça. Et euh, ici, je mets let euh, spawning false. ici, je mets spawning equal true. Et ici, if spawning, alors return false. Voilà. Voilà. Qui fait que là, plutôt que de me limiter à faire les quatre actions d'un coup, je vais faire une action par. Non, ça va pas marcher. Si, ça a marché Ah, voilà, il y a le worker qui a été créé. Donc maintenant, il se met au travail. Il va récupérer les ressources. Normalement, on doit avoir assez pour créer. Alors là, il y a un bug. Là, il y a un bug. Parce que normalement, il devrait refaire des tentatives ici. Possiblement. Simplement, il y a une erreur. Non, je dois avoir une autre unité qui apparaît presque quelques minutes, quelques secondes après, quoi. Oh, unité data, oui. Ah, une seconde, j'ai peut-être raté un truc. L'état, il se remet pas, à jour. False. Et population, elle est de 1. Donc, normalement, il devrait passer au suivant. J'ai un truc que j'ai raté, c'est pas possible. Voilà. Tentative de worker, création, donc c'est vrai. Et ensuite, on passe au suivant. À la boucle suivante, il ne devrait pas s'arrêter. Non, ça ne devrait pas y toucher, ça. Alors, on va faire comme ça parce que je déteste voir ça qu'il est là le problème aussi Même si le spawn ici, voilà. Même si le spawn ici. Ah non J'ai cru, j'ai cru. Oui j'ai cru. Oui j'ai cru. Ok j'ai cru. Même si ici il devrait pas. Pourquoi j'ai retiré la console J'en ai besoin de la console. Voilà. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème Généralement. Non, j'ai bien un tableau avec les différents éléments. Alors pourquoi il ne va pas partout Est-ce que ça veut dire every Une fonction qui accepte jusqu'à trois arguments. Chaque appel à la méthode euh, à la fonction de prédiction pour chaque élément. Alors, la méthode every appelle la fonction prédit euh, pour chaque élément dans le tableau jusqu'à ce qu'une la, la prédiction retourne une valeur qui est coercible au bout faux ou jusqu'à la fin du tableau. Re, Nico, tu étais parti. Ah c'est possiblement ce return false? Oui il y a cinq minutes. Ah d'accord, ok. Je sais pas, je voyais plus de message, donc euh, Bon. Plus de message depuis quand même un petit moment. Hein. 9h07, voilà, ouais, Depuis une heure quoi, j'ai plus de message. Est-ce que ce sera à cause de ça J'écoutais, mais j'avais un truc à faire sur mon PC. Ok, il n'y a pas de problème, pas de problème, pas de problème. Juste un petit crignote un truc parce que là le cerveau il commence à fumer un peu là. Ouais. Ouais, ouais. Ça. Ah bah moi je change pas hein. C'est le truc à grignoter ça hein. Ah ou alors peut-être que c'est ça le problème. J'ai une idée. Je vais me garder celui-là. Ouais, c'est ça parce que ça retourne false. Ici, chez moi, je plus le droit, il y a des risques de choper la salmonelle dedans et tout ça à cause d'une usine bête, je con. Ah bah oui, alors c'est pas les bueno qui font ce problème. Hein. C'est pas les bueno qui sont le problème, c'était euh, tout ce qui est les œufs. Maintenant, ils ont, ils ont plus de ce problème-là. Euh, ils ont retiré de toute façon ceux qui avaient de foutre. Certes, il y a eu des cas euh, qui sont avérés vrais. Mais euh, les bueno, il n'y a pas de. ça n'a pas été impacté. Hein. Après, ben bah, ok, si, si vraiment le stress est encore là, bah attendez encore quelques mois. Normalement, voire même la fin de l'année, puis c'est bon. Mais du coup, ma mère doit aller en racheter. Ah. De quoi bon? Enfin, je veux dire, les, si vraiment vous êtes en stress de ce côté-là où tes parents sont en stress, laisse quelques mois euh, le temps que ça se, ça se disparaît, et puis après voilà, c'est bon. Normalement, ce devrait être bon. Il euh, y a un truc qui va pas là. Est-ce que c'est parce que ça c'est à faux et non, c'est parce que ça c'est faux. Si si problème, c'est c'est ça. Oui, parce que si c'est ça qui a faux, si je fais un console juste derrière, derrière en mode mais est-ce que le mail apparaît C'est ça. Je crois que c'était toute la gamme ferro. Non non, c'est juste les œufs. C'était juste les œufs qui ont été rappelés. Moi, je, si tu veux, j'avais des bueno. Euh... Oh, non, mais il est apparu. Hmm. C'est vraiment toute la partie euh, des œufs hein, en fait, les les euh, les chocobons, les œufs Ferrero, toutes genre de choses. Moi, j'ai acheté récemment des Kinder Bueno au moment pile au moment où euh, c'était les c'était les, les 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 temps tu les temps de sortie d'usine et les temps que c'est c'est sorti. J'ai mangé toute ma boîte de Bueno, j'ai aucun problème. Hein. Bon, peut-être que j'ai un problème mentalement, je peux être débile, mais enfin, en tout cas moi. J'ai pas, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas de, pas de problème quoi. Bon, il faut pas que j'utilise every, il faut que j'utilise une autre méthode, mais une méthode inverse. Euh, alors, on va aller sur devdocs parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il peut y avoir un à l'inverse que every entries. Euh, non, ça retourne un objet, c'est pas ce que je m'intéresse. For each, from, includes, is array, join, keys, length, map, OF pop, push, reduce, reverse shift, slice, sum. Sum, je crois que c'est ça. A element is the test, implémenté par la fonction procurer. S'il retourne vrai, il... cela retourne vrai si dans le tableau, il trouve l'élément pour qui est prouvé, il retourne vrai. Ah, ça, ça, ça. c'est ce qui m'intéresse, C'est ce qu'il me fallait. Donc on va faire à la place, on va faire sum. Donc pareil ici, sum. Voilà, et ce qui fait que normalement, même ça de son c'est à vrai, ils n'ont même, même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vais faire un test, je vais juste faire ça. Je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Juste un test en mode euh, voir ce que ça donne si je fais ça comme ça. Hop. Si ça fait comme je, comme je le pense. Donc ça fait un mois que je mange plus de bueno alors qu'il n'y a pas de problème. Ouais, alors après si tu veux, vrai, si tu veux que, vraiment être sûr qu'il n'y a pas de problème, attends encore quelques mois et puis c'est bon. Non, ça a fait exactement l'effet inverse. Ok. Donc, si maintenant à la place je mets ça vrai, comme ça, on arrive ici. Hop, voilà. Donc là, ça a fait tout. Ok, ça a tout fait une nouvelle fois. Donc très bien. Donc, on revient ici. Normalement, si on fait ça. Voilà. Et voilà. Ça y est, c'est bon. Ça marche. Moins 4, c'est quoi moins 4 déjà Moins 4, moins 4, spawn. Moins 4, c'est. Ah Moins 4, c'est quoi Alors, moins 4, c'est erreur busy. Ok, c'est bien ça. Il y a bien une constante qui existe, erreur busy. Et donc, euh... euh, c'est-à-dire donc que si. Bone. Alors New Creep, voilà, erreur busy. Euh... Alors on n'a plus besoin de cette erreur, sinon j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Ça c'était juste pour valider. Ok. Maintenant, on va lancer tel quel et on va voir jusqu'où on peut aller. Et voilà. J'ai mon attaquant. Il essaie de faire apparaître un archer et un healer. Parfait. Et ça va même plus vite que ce que je pensais. C'est bien ça. Et un healer. Voilà, on a les trois si, On a les trois éléments. Et avant que le mur se fasse détruire. Et on a encore 4440, en sachant qu'en un tick, il retire 40. Donc 4440, je divise ça par 40, ça me donne le nombre de tics restants pour me préparer. Euh, je fais ça. Non, ça c'est Carrefour, ça. Calculatrice. 4440 divisé par 40, ça me fait 111 ticks. C'est-à-dire qu'en 111 tics, après, derrière, je peux optimiser un peu le, le temps de travail. Quoi. Ok, bien. Donc on va pouvoir avancer de ce côté-là. Maintenant qu'on a nos unités, euh, maintenant qu'on a nos unités, j'ai peut-être juste un truc. Euh, on va faire ça. Comme ça, peut-être que ça nous permet de moins polluer la log. Non, ça pollue autant la log. Voilà, on s'en fout en fait, euh, savoir s'il faut pas. Euh... On s'en fout un peu. On va, on va pas le mettre là, on va le mettre là comme ça en commentaire, c'est pas important. Genre c'est plus du debug à ce stade. Ok, donc maintenant on a nos quatre unités qui ont apparaît avec euh, la définition ici, et la population. C'est-à-dire que quand une population diminue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'unité se fait tuer, si j'ai la capacité de la faire réapparaître, je la fais réapparaître. Voilà. Alors maintenant on va gérer la partie euh, militaire. Donc function heal unit. Euh, plutôt hop euh, attaque mêlée 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 attaque et ranged attack et euh, ouais, do range attack do mêlée attaque et do il euh, quoique non si on va faire comme ça to heal unit. en sachant que euh, en sachant que on va faire la chose suivante donc là euh, attaque il va on va essayer de récupérer le code qu'on avait fait sur la sur ça tout simplement voire plutôt c'est euh, je plus c'était où c'est ça c'était ce code là Donc, euh, get object. Alors, comment on pourrait s'en sortir Parce que concrètement, là, je n'ai aucune stratégie. On va, on va faire la stratégie la plus simple, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'unité, euh, l'ennemi la plus proche. Euh, récupérer la liste des unités ennemies et, et ensuite euh... et on va chercher bien sûr l'unité la plus proche creep.find uh, alors ah oui mais il faut que je fasse ça c'est à dire que ici ce sera creep et que bien sûr c'est un paramètre Creep, creep, comme ça ce sera plus facile. Creep.find closest by range enemy creep euh, donc c'est if ah plus ça c'est range attack ok bon on va faire ça maintenant on va faire ça Pareil pour la mêlée attaque, sauf que l'accessoire range attaque, ce sera attaque. Et à l'inverse du, euh, bien sûr, on n'oublie pas, le plus important à ajouter, c'est ce petit commentaire pratique. Voilà, on n'oublie pas d'ajouter aussi ça et ça. Et euh, autre chose aussi, pour éviter les problèmes. Voilà, le style non. Les problèmes du style. Euh... Oups. Ah. Oh D'accord, je comprends pourquoi ça faisait ça. Ok, voilà. Hop, hop, voilà. Hop, on espace, on espace. Find ranged attack. Là, ce sera attack et là, ce sera heal. Voilà. Et le hill, euh, on va faire exactement ce qui est écrit là. Voilà, on va pas se casser la tête. Copier coller. Je n'aime pas le mot var là-dedans. On va mettre const. Et my Creeps, c'est ça. Euh, on va ensuite faire comme moi, j'aime bien faire le snake case. Voilà. Et bien sûr, dans l'ordre, ce sera d'abord le Do Heal. Ensuite, le Do range Attack. Et avant, le Melee Attack. Voilà. Et le Work Unit à la fin. Voyons voir ce que ça donne, ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça, c'était pas ça. C'était cette partie-là. On lance. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Non. Autant de temps. Pourquoi? Parce que, parce que bon on va voir pourquoi Voilà, positionne is not a function. gamePrototype, euh, game prototype game object attaque user main 110. Alors, ligne 110, on va voir. 110 euh on avait ce truc là à un moment donné c'est dans store et transfer c'est ça voilà ou en gros je sais plus non je sais plus c'est quoi euh... il y avait un endroit où on pouvait euh... il n'y avait pas un, un bout de code qui permettait parce que là concrètement euh... concrètement en fait l'unité elle est derrière un mur on peut rien faire en gros concrètement ce serait ce concept là quoi. Mais euh, c'est pas ce que je cherche. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Pas une closest Bypass. path. Alors voyons oui, voir. Au lieu de faire by range, on va faire by path. Ce sera plus facile, possiblement. voir enemy creep. C'est-à-dire peut-être possiblement enemy creep, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'il faut. Et voilà. Oui, puisque Enemy Creep, déjà c'est pas Enemy Creeps, c'est Enemy Creeps. enemies on va appeler ça Ennemies. Bon, Pareil, Range n'a pas l'air de fonctionner. On va faire By Path, on va voir ce que ça donne. Euh, attendez, petite minute. Oui, C'est ça. Okay. Ah. Et là, 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 il n'y a plus l'erreur. On va laisser tourner le jeu. On va accélérer. Hop, euh, on va mettre deux ticks à la seconde. Et là, normalement, dès que là, le mur, il est fait. Mais là, il y a un bug. Pourquoi Pourquoi il bouge pas Ça bouge pas. Allez les gars, bougez là. Merde alors. En tout cas, le healer, il a l'air de fonctionner parce que je crois que voilà, on s'est fait attaquer je suis pris des dégâts le healer il a fonctionné déjà, déjà le healer ça marche en revanche pourquoi move attaque oui pourquoi il lui veut pas aller attaquer qu'est-ce qui se passe maintenant voyons voir enemies Est-ce que n'y reste ennemi, il n'y aurait pas un bug euh, Hop. Nul, 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 nul. Euh, ok, là c'est à nul, c'est normal. Parce qu'ils sont encore dans le mur pour l'instant. Ils ne sont pas encore sortis. Voilà, là ils sont sortis. Pourquoi c'est toujours un nul. -à dire que creep. Point. Faisons un autre test, rapidement. On y est presque. Hein. Là il suffit que les le bougent un peu. Uh, undefined, nul. Undefined. Ah, uh, wait, 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 what? Undefined. Ah, Ok Ah c'est ça le problème. C'est bon, j'ai trouvé pourquoi. Parce qu'en fait, c'est comme il y a un seul ennemi. Oui, seul... Et on va voir. Si c'est ça. On va voir si c'est ça. Ah, c'était ça. Oh. Alors, bon, le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a qu'une unité qui a combattu. Pour vous montrer. Attention, eh ok, le problème c'est ça, c'est que la unité est partie toute seule, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une logique, euh, si il a des damages, sinon, euh, je vais euh, chercher mon unité de combat simple, qui est Const My Melee Buddy, égale mycreeps.find type d'attaque if s'il l'a trouvé alors creep.move move to my melee buddy et c'est pareil pour l'autre si l'archer n'a pas d'ennemi sinon il va chercher my killer buddy comme ça ils vont se suivre en fait c'est à dire que c'est l'attaquant qui est en gros la tête de le combat. Et les deux autres unités vont suivre dans l'ordre attaque, heal, euh, distance. Voilà. Ah, cannot read property find of undefined. Durant 1101. Ah. Oh. Ah, parce que peut-être. Euh... Oui, c'était juste le temps qu'il qu apparaît en fait. Et au moment où le mur est détruit, c'est-à-dire dans quelques instants, voilà, ils se suivent. Ce qui fait que maintenant, ils vont être beaucoup plus efficaces. Alors après, on pourrait faire un autre truc, c'est-à-dire que... Voilà. Plutôt que de les suivre comme ça, euh, plutôt que de les suivre en fait, on pourrait se dire. Euh, alors, c'est bizarre parce que closest by path euh, ça n'a pas marché. Alors, on peut, on peut, on peut, on peut s'amuser à faire ça. On peut aller chercher. Euh, donc, on va fermer ça. Si je fais creep, alors photo, find. In range on peut se dire ça c'est à dire qu'on peut se définir une variable en plus qui s'appelle const euh, attack max range de on va dire euh, on va dire euh, 15 cases c'est à dire que je définis que autour de -à, -dire à partir de l'unité d'attaque autour de 15 cases si y a pas d'unité qui sont dans ces 15 cases donc ce sera une ça fera que je vous montre rapidement hein, euh, hop qu'on aura donc voilà. En gros, j'ai défini je vais définir là et je vais ajouter l'élément, c'est-à-dire qu'en gros sur 15 cases sur une longueur de 15 cases, je enfin une... un rayon de 15 cases donc c'est-à-dire 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. On pourra mettre 10 pour mettre plus petit. En gros sur 10 cases sur un carré de 10 cases parce que c'est un rayon carré. On va pas aller chercher les unités, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment venir dans notre zone. Il faut qu'ils viennent dans notre zone pour qu'on puisse bouger. Sinon, en fait, le problème ce qui s'est passé auparavant, même si on a gagné, c'est que L'unité a dit, bah tiens, j'ai la capacité de voir mon ennemi, j'y vais. Mais le problème, c'est que l'ennemi n'était pas encore dans la zone de dans notre zone de spawn, en fait. Donc on va mettre 10 pour que ce soit un peu plus petit. Euh, ça, c'était des bugs, les attaque. Si et find in range, position, nearest enemy, range attacks, attaque, non. Attack max range et find alors find in range il me donne quoi Trouve toutes les positions d'une position donnée en tableau avec la, 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 la distance prévue donc ça retourne un tableau d'accord ça retourne un tableau c'est pour ça qu'il me disait point length supérieur alors, on si on dit en gros, on arrive à le trouver dans la zone en question, alors on fonce. Voilà. On va faire un test. voir si ça marche Ah merde. Ah, ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une erreur possiblement Ah. Position.filter n'est pas une fonction. creep find in range. Ah Oh ben ça veut dire que ça marche pas ça. Est-ce que j'ai pas une autre méthode? Get range. Ah get la linear range get, alors, récupère la distance linéaire entre deux objets. A et b peuvent être des objets contenant xy, les propriétés xy. Ça veut dire que ce sera mieux ça. GetRange. Et en plus on a un get range 2 Ah oui, game range 2 Si game utilise range ah! Donc, on peut, on peut directement, même, on peut même directement, euh, si c'est ça. Alors, si c'est ça, get range to. Alors, on va faire un test avant. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'est-ce que m'envoie cette information. L'information, m'envoie un nombre de cases entre deux objets. Donc, nombre de cases entre deux objets, c'est-à-dire si c'est inférieur à attaque max range. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire que, en gros, si ça, ce sera inférieur à mes dix cases, on fonce. Si c'est supérieur, on attend, on temporise le combat comme si on avait une muraille devant nous. Voilà, c'est mieux. Ah, et laisse-toi le spawn est un peu plus haut. Hop, on clique là, comme ça on a, la, on a la visibilité ici. On avance dans le temps pour aller plus vite. 4, 3, 2, 1. 900, 800, 600, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, voilà, premier exemple. Voilà, là, premier exemple, sur la partie précédente, partie précédente que j'ai gagnée. Euh, on avait notre unité d'attaque qui a foncé dans le tas. Là, on a défini une zone, de, une zone de distance de 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros, dès qu'ils arrivent à peu près dans cette zone-là, cette zone-ci, ici, mes unités vont à l'attaque. On va vérifier. On va vérifier tic par tic. Voilà. Hop. Donc là, on n'en est pas dans la zone. Tic suivant, on n'est pas dans la zone. Tic suivant, on n'est pas dans la zone tic suivant, il est pas dans la zone. Là, il est pas dans la zone. C'est une petite zone quand même. Et là, il est dans la zone. C'est-à-dire que c'était là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. OK, là, il est dans la zone parce qu'en fait, ça définit une zone là, d'accord. Voilà. Donc là maintenant, il fait partie de la zone. Comme c'est le plus proche en plus, il va aller l'attaquer en premier. Paf Et là, il a déjà pris des dégâts. Le healer va se permettre et là, à chaque fois, il va attaquer. Alors en sachant que le truc qu'il faut savoir c'est que là le spawn il est toujours bien enfoui. On va faire un truc. On va s'amuser à faire un truc. On va augmenter le, la quantité d'unités pour voir jusqu'où on peut aller. Pour voir combien de groupes d'unités. Après plus tard c'est un truc que j'ai voulu mettre en place sur le world. Je voulais faire un système de de, de, de platoon de de, de de pas de garnison mais comment on appelle ça de groupe. Comment on appelle ça un groupe dans le jargon militaire Une équipe, j'imagine, mais euh... parce que l'unité va, voilà, l'unité va faire son travail, tu vois, voilà, il y a des deux unités, deux unités, deux unités. Là, le problème, c'est qu'il manque un healer, mais j'ai pas eu besoin d'un healer pour l'instant. C'est-à-dire que là. Le mur est pas encore cassé. On a un healer, voilà. Les, les, les archers vont suivre le healer. Le healer il va suivre l'unité le, le, la plus proche d'une brigade, peut-être, ouais. Voilà. Les unités arrivent. Et comme, et là, ce qui est énorme, c'est que j'ai réussi à avoir mes quatre, mes deux quatre six unités. Donc maintenant, j'ai six unités qui vont aller tabasser trois unités. On pourrait voilà faire un groupe de. Elles vont, elles vont essayer de suivre comme elles peuvent. Alors, chose qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que euh, là, il y a un bug. Il y a un autre bug que j'ai remarqué. C'est-à-dire que si on regarde les unités euh, d'attaque à distance, elles ont suivi en mode euh, gros bourrin euh, les healers, et au moment où on est à distance, elles n'ont pas attaqué. Donc là, il y a un bug. Il y a un bug sur les unités de distance. Pourquoi euh Ah! Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Ah oui, c'est ça, il faut filtrer aussi. Et ensuite, on dit. Plutôt, alors là, il faudrait que. Euh, et on va mettre ça aussi. Voilà. On va mettre ça, voilà. On va le faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, 309 ticks. On va aller, aller rapidement là. Voilà, on va aller là. Voilà, donc là. Les unités ne partent pas au combat tant qu'on n'est pas euh, devant. Attention. Voilà, les unités sont en cours. À l'attaque. Voilà. Piou, 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 piou. Les healers font leur boulot. Et ben voilà. Je pense que les tutos, si tu comptes toujours essayer d'en faire, seront géniaux. Bah ben pour l'instant, en fait, pour l'instant, ce que je voulais faire, c'est utiliser la vidéo qu'on a fait là il y a deux semaines pour que ce soit pour l'instant la vidéo phare en fait tutoriel plus celle-là qui sera donc la deuxième partie du tutoriel qui sera une playlist à part entière après moi j'avais l'idée plutôt que de faire des vidéos tutoriels de faire un article c'est-à-dire je j'ajoute sur mon site web ou je fais un site web d'ajouter des articles de euh, d'information du style euh, en fait je, je reprends les mêmes tutos je je retraduis en français avec des explications et des, des exemples de code euh, commentés. Parce que moi et les vidéos, euh, bon, pourquoi pas, mais je n'aime pas faire le montage, euh, ou alors je le fais pas tout seul. C'est-à-dire que je le fais avec peut-être un script, j'essaie de suivre le script, euh, on essaye d'avoir déjà un semblant de code qui est prêt, il y aura juste à le retaper. Alors certes, voilà, ce sera de la récitation, mais au moins, euh, ce sera quelque chose de... Euh, de, de structurer et pas juste un truc je lance une vidéo j'essaie de faire un tuto parce que je connais le concept du jeu et je sais comment ça marche quoi moi mon idée c'était par exemple de traduire tout le tutoriel en français sur un site à part parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra le faire ou alors comme c'est je crois que c'est de l'électron pour essayer d'injecter mais je ne sais pas si c'est normal après bah euh, faut voir avec les devs s'ils peuvent essayer d'insérer d'intégrer un système de traduction, je sais pas trop là comment ça pourrait marcher. Mais déjà, ce qui pourrait être facile, c'est-à-dire que chaque page, on pourrait les traduire, on pourrait faire exactement la même chose, et il suffirait d'aller, en fait, de, euh, de, quand les joueurs utilisent Scrips Arena, que s'ils sont français, peut-être voir avec les devs pour que, que s'ils sont français, qu'ils les redirigent vers le site web, permettant de traduire les sites et de lire le, lire le, le site. Après, on ne pourra pas tout traduire malheureusement. Je, voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose pour l'instant que ces projets j'ai énormément de projets à part. Euh, si vraiment ça intéresse vraiment d'avoir des vraies vidéos structurées pour expliquer le concept de jeu, que ce soit Arena ou World, il n'y a pas de problème. Déjà, il faudrait aussi qu'on fasse tout le projet de traduction de la documentation API euh, officielle euh, world. Donc euh, et voilà, j'ai reçu mes clés. J'ai fini le tutoriel. On a fini le tutoriel. Et donc maintenant, on va aller dans l'inventaire. Et on va pouvoir donc, de toute façon, on ne peut pas créer une clé avancée, on va pouvoir créer une seule clé, puisqu'on n'a que cinq fragments de clé. Donc on va créer la clé. Voilà. Et donc on a une clé basique. Alors, comment ça marche Comment ça marche C'est-à-dire que je clique là. Voilà. Pour il est verrouiller, vous avez besoin d'une clé pour le verrouiller. La première des vos clés. Le premier unlock dans une saison est gratuit. Ah d'accord. Et là, c'est aussi c'est gratuit Non, ça c'est pas ça, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. D'accord. Ah oui Donc en fait, la clé, même pas besoin, la clé du tutoriel, je n'avais même pas besoin de la faire. En fait, je pouvais très bien débloquer tout simplement ça. Quoi. Alors, vu qu'on a un code déjà préfet pour ça, je vais déverrouiller le spawn in swamp. Parce que concrètement, c'est exactement la même chose qu'on a fait dans le test. En gros, on a, on a des spawns, des conteneurs. Euh, la map est une, 100%, est une 100%, case de 100% avec un terrain aléatoirement recouvert de marécages, vous avez une structure spawn qui vous permettra de créer des unités en dispensant l'énergie. L'énergie est stockée dans des containers à proximité, l'objectif détruire le spawn adversaire. additionnellement euh, l'énergie contestée dans le stockage est disponible dans les containers qui sont constamment apparents dans différentes places et disparaît rapidement. Il y a une limite de temps de 2000 ticks, quand le temps est expiré la game, euh, la partie finit avec une égalité. D'accord, ah oui, c'est. Euh, c'est oui. tout un truc, quoi. Là, là concrètement, à ce stade, c'est presque, on va dire, c'est presque du Starcraft ou du, du RTS, littéralement. C'est-à-dire que tu as ton point de spawn qui permet de faire apparaître tes unités. Tu fais apparaître le plus d'unités pour aller récolter de l'énergie. L'énergie, tu la récupères euh, un peu partout dans la carte qui apparaît aléatoirement. Tu crées tes unités d'attaque, une partie pour la défense, une partie pour l'attaque, etc. etc. Quoi. Ça, c'est spawn and swamp. Ensuite, capture de flag, bah, capture de flag, c'est pas compliqué. En gros, on commence euh, c'est ces mêmes taille de carte, 100 par euh, nous, nous 100. On commence tous les deux dans un coin de la carte. Nous avons 14 unités de différents types de corps euh, de, pour chaque unité. Un drapeau et une tour. Le drapeau, il faut le défendre. C'est-à-dire que le drapeau, il ne faut pas se le faire capturer. L'objectif, c'est de capturer le drapeau euh, adverse en marchant dessus. Avant qu'il ne capture le nôtre. Euh, la tour est remplie d'un énergie par tour, par tic. Et peut euh, de, donner, euh, mettre des dégâts ou euh, guérir des euh, unités à chaque kick avec un cooldown. C'est-à-dire que le dégâ les dégâts ou le heal est assez conséquent par rapport au cooldown. Il y a des items qui s'appellent body parts, donc des, des items qui, qui, qui apparaîtront aléatoirement sur la carte. Euh, au milieu de la rivière, donc la rivière c'est ce qu'il y a en rouge. Et la rivière, en plus c'est des marécages, donc c'est un déplacement plus lent, comme on l'a pu le voir dans le tutoriel. Quand chaque unité marche sur un objet, une body part additionnelle est ajoutée à son corps, avec 0 hit. Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il l'a par défaut. Voilà. La partie euh, dure 2000 ticks, euh, dès que le, le, le temps limité est expiré, la, game, la partie finit à une égalité. Et la troisième... Euh, le troisième mini-jeu, c'est collecter et contrôler. La carte est toujours du 100 par 100. Nous avons un spawn qui me permettra de créer des unités. Euh, nous avons des stockages d'énergie disponibles dans les sources. Il y a des conteneurs qui sont remplis avec des scores et un objectif score collector. Et l'objectif, c'est de prendre le plus, c'est de prendre le contrôle sur le score collector, ce gros cube. Et le score, c'est en blanc. Quand vous transférez des ressources score dans un contrôleur, dans un score contrôleur non contrôlé. Vous gagnez le contrôle euh, sur cette unité, sur cette structure pardon. Cela à dire que votre adversaire doit diminuer le quantité de score dans le contrôleur, dans le collecteur pour voir le récupérer. Une grosse stratégie. Si vous augmentez le score à 3000, vous gagnez instantanément. La limite du de temps de jeu est de 2000 ticks. Quand le temps est expiré, le joueur avec le plus de score dans le collecteur gagne. Aussi, il y a des zones d'effet. Il y a des objets arrière Effect qui apparaissent constamment dans différentes places et, disparaissent assez euh, et qui disparaissent. Euh, Ils il bloquent vos unités euh, définitivement jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Quand vous avez le score collector, euh, le collecteur sous votre contrôle, vos unités sont euh, immunisées vers cet effet. Ah d'accord, donc ça veut dire que c'est en gros c'est un peu comme des murs temporaires qui bloquent les unités s'ils passent dessus, sauf si on possède le collecteur. Et voilà, ouais, on, 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 on démarre chacun dans un coin de la carte, et le collecteur doit être sûrement... Euh, voilà, le collecteur, si on peut le voir, c'est tout petit, mais le collecteur, il est juste là, et le conteneur, il doit être là, où il y a des conteneurs qui apparaissent sur la carte. Donc voilà, trois modes de jeu différents, qui ont chacun leur façon de jouer, qui auront chacun sûrement leur base de code différente. En sachant que j'avais déjà joué euh, à l'époque de la Alpha, avant que le jeu soit en officiel, alors le chat y cache, mais je vais vous montrer... À l'époque, j'avais déjà joué un peu. et J'ai déjà un classement, j'ai déjà un rang. Voilà, j'existe je, je, déjà. Et on peut voir que il euh, y a des vieux, 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 vieux du vieux code qui date de 2021, c'est-à-dire de l'an dernier. Et on peut on peut voir les on peut voir les replays. Ça c'est bien ça. On peut voir les replays. Ah oui, on peut voir les replays. voilà ça c'est parce que c'était la version 1 du code c'est à dire que le code il n'était pas du tout euh, actif donc, prenons par exemple euh, un code que je me suis battu c'est à dire c'est un test c'est le code où je me suis battu contre moi-même non pourquoi ça a pris 142 ticks pourquoi ça a pris 142 ticks Wow Ah oui. D'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'il doit y avoir des petits bugs dans les replays parce que c'est des vieux replays donc Ah oui, chose qu'il faut savoir, c'est que la zone ici tu ralentis, est du ralenti donc c'est-à-dire que tu perds de la vitesse. Euh, bah c'est bizarre, je ne sais pas. Ah hein, c'est pas une victoire ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça marche plus Alors, On va y avoir un autre un autre, voilà ici. Non. Hein Genre comme si au bout d'un certain temps, le jeu se dit attention, là il doit y avoir une donnée. Voilà, hop. C'est bizarre, je me souviens plus pourquoi. Et le dernier, ça date de 18 juin. Je me demande bien où c'est stocké tout ça. Oh ah oui. Ah oui, il y a des bugs parce que les unités qui se trouvent là, c'est pas normal. Déjà, c'est bizarre que ça apparaisse dans un mur, ça. Donc je pense que ça, ça va être des, des vieux replays qui sont pas à jour. Euh, donc euh, bon, bah voilà. Et je suis classé, donc 499 neuvième cest c'est-à-dire... Je suis pas dernier, hein. Je suis pas dernier, et le dernier c'est 559ème. Donc il y a 559 personnes qui ont joué au jeu euh, au mode de capture de flag. Hein. Donc voilà. Euh, il est 23 h ça fait 2 heures de stream. Est-ce qu'on s'essaye un mode de jeu euh, Est-ce que Nico, tu voudrais qu'on... Alors, on a deux, il y a deux, il deux solutions. Soit je peux reprendre. Alors j'ai une clé gratuite aussi, donc il faut savoir un truc, c'est que j'ai une clé gratuite. Soit on se lance dans Spawn in Swamp. C'est-à-dire qu'on a déjà une base de code sur le sujet, il suffirait juste tout simplement euh, de se lancer là-dedans. En sachant que j'ai donc une clé gratuite. C'est-à-dire que je peux utiliser ma deuxième clé dans l'inventaire pour un autre mode de jeu. Pour plus tard, par exemple. Soit on fait capture de flag, donc c'est pas compliqué. J'avais déjà une base de code, donc je peux suivre que je la récupère et que je la optimise. Ou alors on peut voir à quoi ça ressemble le collect et le control contrôle. Sous le, sous le chat. Je pense que je vais déjà dé débloquer ça. Voilà. Comme ça, c'est débloqué. Je l'ai. Et on pourra débloquer l'autre si besoin, parce que c'est ça, c'est, voilà, je peux débloquer. Est-ce que, voilà, ça consommera une clé, donc pour l'instant, ça ne va pas être touché. Spawn and Swamp, euh, donc c'est quoi le, le chemin ici Ça voilà, Asfa, Spawn and Swamp. Et moi ici, c'est quoi C'est le tutoriel. Donc je vais copier, euh, je ne vais pas copier tout ça comme ça, je vais, euh, clic droit, revoir dans le file explorer. Je vais copier tout ça et je vais le mettre dans le spawn and swamp. Voilà, comme ça, il sera déjà prêt. Il suffit de fermer ça ensuite, comme tu le sens. Okay. Bon, on va faire spawn and swamp, on va voir ce que ça donne. Euh, je vais ouvrir le code, on va voir si c'est euh, fonctionnel. Alors, bien sûr, le code va marcher que euh, dans la base du tutoriel, pas dans la base du spawn and swamp, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faudra derrière optimiser tout ce beau code qu'on a fait pour que ça respecte le spawn and swamp. C'est-à-dire avec un peu plus de. Alors ça, il n'y a plus besoin de ça. Ok. Faisons un test. On va s'amuser, on va se dire, on a récupéré le bout de code en mode... Voilà, on l'a récupéré, on va voir ce que ça donne. Je vais juste changer le chat de côté pour que ce soit peu peut-être plus visible. Voilà. Donc là, en gros, ce qui va se passer, donc là c'est le vrai jeu. Donc là, on a... on a trouvé un adversaire. Donc là, on va jouer contre quelqu'un. On va jouer contre 10 bitrif. Moi je me trouve en bleu ici, donc je suis en bleu là, je suis ici. Voilà. Et euh donc mon code ne marche pas. Pourquoi mon code ne marche pas Parce que le jeu, le spawn and swamp, il n'y a pas de. Il n'y a pas de il n'y a pas de source, quoi. C'est des containers qui contiennent 2500. Et comme le, le, le mode de jeu l'indique, il y a. Voilà, c'est ici, voilà. Il y a des containers aléatoires qui apparaissent. Qu'il faut qu'on aille récupérer. Donc on va aller corriger le code. Pour que, à la place que ce soit des sources, que ce soit des containers. Donc, ce ne sont pas mes containers, ce seront des containers. Euh, on a oublié de faire ça, on a oublié de faire toute la logique du container, mais c'est pas grave. Euh... Donc, on va faire la même chose ici. Toc. Structure, donc structure container. Filtre, euh, pas de filtre. On va faire chez tous les containers. Et euh, on va mettre ça dans, non euh, pas myspawn, mais containers.find. Voilà. On va appeler ça containers. Alors, il y a un truc que je voudrais vérifier, parce que... Euh... Non, c'est pas ça que je veux faire. Est-ce que je peux avoir l'historique de la game précédente Voilà, c'est ça, voilà. Comme on a une égalité, je veux juste vérifier un truc, savoir si les containers qui se trouvent là m'appartiennent. Non, ils ne m'appartiennent pas. Ils, je, ils ne contiennent pas de, de nom spécifique. Donc, ça veut dire que je n'ai pas, euh, pas à vérifier l'appartenance à ça. Donc, ça, je vais le, juste le mettre un peu plus bas parce que ça ne m'appartient pas. Donc, c'est container, ou plutôt containers, égal à ça. Et on va filtrer. En fait, on va même filtrer pareil, c'est-à-dire que c.store, store euh, que ça marche ça non il veut il veut bien le filtrer ici non ok oui oh, là c'est de la chance là que j'ai eu euh, alors attends un container comment ça marche un container structure container il a quoi il a un store tout simplement donc c'est pareil c'est store.get euh... Used capacity of energy, voilà on va faire ça. Euh, Console.log containers. Un truc qui est pratique dans ce mode de jeu, quand même, dans tout ce qui compte dans tout ce système, c'est que je vais retourner là-dedans, puis je veux dire, ben euh, est-ce que je peux par exemple euh, non, c'est pas ça, c'est ici je crois. Euh, test game, voilà. Je peux, tester, euh, une, je peux tester quand même mon code avant de l'envoyer vers les serveurs pour, euh, pour jouer réellement. Je peux le tester contre par exemple un adversaire qui est euh, qui bouge pas. Comme ça, ça me permet de euh, d'être sûr que mon code fonctionne. Moi, je me trouve pas là. Je me trouve de l'autre côté. Voyons voir. Et my container n'est pas défini. Ok. Déjà, j'ai oublié de faire un truc. Ça s'appelle corriger ici. On Recommence. Hop. Ce qui m'évite de euh, envoyer le code euh, différentes versions du code à, à n'importe où. Là, ça a l'air de mieux marcher. Ok, donc non, ça n'a pas l'air de mieux marcher. C'est-à-dire que normalement l'unité... Ah oui, parce que oui, si. Est-ce que je suis oublié de mettre la logique Voilà. Alors pourquoi il veut plus... Alors on va faire ça. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comme si... Comme si ça voulait plus faire ce que je veux que ça fasse. Donc on va rouvrir le terminal. On va euh, supprimer... Euh... Je ne sais pas me servir de PowerShell. Remove item, recurse, node module. Voilà. PNPM install. Voilà, normalement. Voilà, c'est bon. Okay. Il, faut juste, il fallait juste réinstaller le, le système. Donc up, creep. withdraw target nearest container energy. Ressource, Energy, je j'en mets pas, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà, ok. Donc là, on va refaire contre un autre adversaire ah, qui ne bouge pas. Ah. Et là, et là il va chercher la ressource. Nice! Je vais juste vérifier un truc. D'accord. C'est bien ce que je pense, c'est-à-dire que les conteneurs ici ne se rechargent pas. C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est concrètement. La logique, elle est la suivante. Les conteneurs qui sont au début nous permettent de euh, débuter en fait les, euh, les, les hostilités en faisant apparaître toutes les unités nécessaires. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'énergie dans ces conteneurs. Et c'est à ce moment-là il faut aller explorer la carte pour aller rechercher les conteneurs proches. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que euh, il faudrait éviter par exemple d'aller chercher des conteneurs qui sont à schnock de notre spawn. Par exemple, il faudra aller chercher les conteneurs qui se pourraient être à la limite, par exemple ici. Euh, genre, par exemple, ce conteneur-là, il est plutôt assez proche. Genre, genre de choses. Voilà. Autre chose, l'unité en question euh, qui va aller chercher là, il nous faudrait en fait l'unité qui soit suivie d'une armée, comme ça, on peut défendre et que quand on commence à voir que par exemple on n'a pas l'avantage genre on perd trop de vie par rapport à ce qu'on attaque, on pourrait avoir des replis, des stratégies de repli. Enfin, ouais. C'est des idées comme ça à mettre en place euh, qui peuvent vous aider pour ceux qui regardent bien sûr la VOD, des idées qui peuvent vous permettre de, de voir comment euh, mettre en place ce système mais voilà. Déjà moi je montre ça, Est ce qu'on pourrait on pourrait aller plus loin dans le code en disant que là cette fois euh, on peut dire que la limite c'est pas 10, mais on va mettre 100. Comme ça on peut dire que le max attack range, c'est ça. Euh, ensuite, on pourrait dire s'il si, n'y a pas d'ennemis. Alors, en ce moment-là, on peut dire euh, const. Euh, euh, comment on appelle ça euh, Not euh, enemies structure égale get object by property qui n'est pas à moi. Euh, je récupère la structure la plus proche. Si j'ai ma structure la plus proche, mais euh, et que ça fait partie de la max attack range, n'est euh, pas en déplacement. Putain, ce copilote, il est pratique. Hein. Copilote, il est très pratique de, de pouvoir écrire tout ça en mode clac 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 clac. C'est pratique. Et c'est pareil ici. C'est-à-dire que on pourrait faire ça. comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, je commence toujours à gauche. On va accélérer le temps. Alors, je crois qu'ils essayent d'attaquer les containers. Mais comme les containers, ça ne m'appartient pas. Euh, on s'en fout. Donc ça veut dire que là, il faut que euh, own structure, faut pas que ça soit own structure, faut que ça soit structure spawn. Parce que on sait que c'est les spawns qu'il faut qu'on attaque. Pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est pas le plus important d'attaquer d'autres types de trucs. Plus tard, on pourra filtrer sur les spawns et les tours, par exemple. Si un jour on a l'ennemi qui commence à attaquer euh, Commence à placer une tour dans sa zone de travail, euh, voilà. Après, l'autre objectif qu'on pourrait faire, c'est que là elle s'en va, là les unités, elles s'en vont, mais elle pourrait se dire, on attend que le groupe complet soit au rendez-vous et ensuite on y va. Là, par exemple, là le healer, là le, là ça c'est les, range, les ranged, là le healer y va, le ranged malheureusement lui il va pas avancer malheureusement, donc on a, déjà on a un bug avec ces deux-là. Déjà on a un bug, je vais euh, mettre ça de ce côté-là le temps que ça tourne. Euh, do melee attack, do ranged attack. S'il y une reste ennemi, une structure, spawn filter not mine. Euh... Ah ça c'est ça, il faut que je, je change en ranged attack, c'est pour ça. Ici ça donne quoi? Ici ça donne que les unités avancent tout doucement mais sûrement. Et là il y a un chemin tout tracé sans marécage, parfait. Le pauvre. Bonsoir Clem, je suis arrivé trop tard. Euh, un petit peu on va dire. Euh, t'as raté quand même deux heures de stream. Donc t'as raté toute la partie de tutoriel, fin du tutoriel, mais euh, là on essaye de faire du Ce Pse... C'est pas du code qui va fonctionner, en gros je montre un peu le, le, le mini-jeu d'Arène de, euh, de, pour montrer à quoi ça ressemble si on utilise le code en tutoriel. C'est-à-dire que c'est utile surtout pour ceux qui regarderaient la VOD et qui joueraient à Scripps Arena euh, un jour, quoi. Donc déjà, on voit que ça fonctionne ce côté-là. Je vais retester comme une game euh, solo. On va mettre 10 ticks par seconde. On va même aller plus loin, voilà. Et là, ici, les unités et distance, elles y vont. Euh, elles y vont là. Alors, je vais remettre 3 ticks par seconde. On va avancer, voilà. Et ici, ok. Et là, on attaque en mode sévère le spawn, quoi. Parce qu'on sait pertinemment que les joueurs de base n'ont peut-être pas un code qui fonctionne, genre de choses. On verra ça après. Euh, voilà. Je pense que ça, c'est un premier bout de code pour ça. C'est pas du tout parfait. Hein dire que ça va marcher pour peut-être quelques combats mais ça va pas marcher pour plein de combats quoi alors pour finir le stream on pourrait faire on a plusieurs solutions soit euh, on fait euh, une game normale donc euh, soit on fait une game normale c'est à dire qu'on répète une fois c'est à dire que je lance la game on, on trouve un adversaire ça fait une game soit euh, je fais euh, voilà, je peux prendre 5, 10 ou 3 games et on arrête quand on perd. C'est-à-dire quand on perd, c'est-à-dire qu'il qu faudra qu'on mette à jour le code. Et en gros, l'idée, c'est que là, pour la fin du stream, puisqu'il euh, est bien tard et que ça fait bien deux heures, euh, on se décide de se dire, bah, on fait le plus de games possible jusqu'à ce que je perde. Et au moment où je perds, ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, ça veut dire que moi, à ce moment-là, il faut que j'évolue le code que j'ai montré pendant le stream. Et donc sur les VOD. Et à ce moment-là, ce sera ceux qui regarderont les VOD qui prendront le relais en disant, bah, à partir de ce code, ben... Bah, euh, Allez-y, faites votre propre source et, euh, et euh, le code, on essaiera de le mettre dispo en libre service, bien sûr, sur GitHub, par exemple, sur un dépôt GitHub officiel. Je le peaufinerai un petit peu le code et tout ça. Et, euh, et après, voilà, ça permettra après de vous avoir fait découvrir le jeu, euh, après vous l'acheter ou pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ma, ma base de code va être différente et va être euh, cachée pour que j'ai euh, pas de problème de combat. quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on fait 3, 5, 10 games et on arrête jusqu'à ce qu'on on, on perde quoi concrètement Et on s'arrêtera là pour le stream, bien entendu. Hein. Allô, En sachant qu'on ne les verra pas par défaut, les, les games, c'est-à-dire qu'elles vont se lancer toutes seules. Et après on verra ici que ce euh, sera à jour au niveau du rang. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Jusqu'à ce que tu perds. Ok, on va mettre 10 jusqu'à ce que je perde, allez voilà. Ah Canadry party Get Time of Undefined. Alors là c'est plus un bug. Euh, là c'est plus un bug de... Euh, ok. Là c'est plus un bug du jeu là. Donc euh, On va remettre 3 jeux, on va voir ce que ça donne. Une... J'oublie que de jeu et voilà donc on a fait trois parties, on a combattu deux, trois joueurs, trois joueurs différents euh, contre donc RGB Knight, Regret Fox et Moschef. Donc on a gagné deux fois, on a perdu une fois. C'est à dire que par exemple, Regrets Fox. -dire, il a la version 119 de son code. Donc possiblement euh, il va faire mal. On va regarder les replays de chacun. Donc moi je suis à gauche, à droite, et lui il est à gauche. Donc, déjà, il fait des plus petites unités. Oh! Ah oui! Alors lui il fait des plus petites unités et en plus il est il enchaîne, c'est-à-dire qu'il fait des chaînes. Alors que moi, c'est vraiment en mode. C'est-à-dire qu'en fait, là, mon unité ne sert à rien, en fait. Pour, pour montrer, en fait, le work. Ici le work il sert à rien. Donc je pourrais juste tout simplement faire peut-être euh, deux unités de travail à ce moment-là et ça fait une évolution du code, par exemple. C'est pas quoi depuis genre depuis 10 minutes, j'étais parti aux toilettes. Ah bah oui, mais si tu n'étais pas là. Euh... Le problème, c'est que lui, en fait, il est coincé. C'est-à-dire que là, son spawn est rempli, mais il ne fait plus rien. Donc euh, en fait, il s'est coincé tout seul. Je pense que son code était au tout début. Qu'on on va avancer hein, tout simplement. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est que là, voilà, mes unités vont aller attaquer les unités en premier. Donc c'est-à-dire que possiblement. C'est pas mal ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini le code et on a lancé une game euh, contre euh, trois joueurs différents. Et là, on est en train de, euh, de valider une de voir un lundi replay de la première game qu'on a jouée. Parce que euh, pour montrer, voilà. On a fait trois games. On a fait contre RGB Knights qui vient d'être là. On a fait contre Regrets Fox, mais il a gagné contre nous, malheureusement. C'est-à-dire que là cette fois je suis à gauche et non pas à droite, c'est-à-dire que selon la position où je me trouve. Qu'est-ce qu qu'il a de différent Oui, il a plein d'unités. Ah oui, puis il a, lui il a fait voilà, il a fait une superbe unité de malade, c'est pour ça que j'ai m'a détruit quoi. Et euh, moi mes petites unités elles sont là en mode Allez, on y va, à la guerre Et puis lui il arrive en mode gros bourrin. Blum 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 détruit <laughs> Ok et lui qu'est ce que c'est exactement le le truc Alors lui il est là Et lui il a fait quoi Lui il a fait une grosse unité qui va récupérer des sources Et c'est tout Ah si, il est en train de faire apparaître une nouvelle unité Pareil je pense que lui doit aussi avoir le même, même problème que l'autre. C'est-à-dire qu'il doit seulement faire un seul type d'unité. Euh, et qu'il n'a pas d'autre type d'unités. OK. Et donc il me reste quoi Alors, il me reste encore une game de, qualifi une game de qualif avant de passer avec un rang. Donc Avant la prochaine game de qualif, je vais optimiser mon travail ici. Euh, il serait intéressant. Il serait intéressant d'inverser les spawns. C'est-à-dire que... Ah, mais non, ça ne marchera pas. Ou alors, on peut, au lieu d'inverser les spawns, on peut augmenter la quantité de prix d'un attaque. Euh, creep, si on regarde attaque, c'est 80. Range, c'est 150. Donc 8 et 8, ça fait 16. Si on met deux attaques, deux attaques, donc on va ajouter un move en plus pour qu'il puisse se déplacer tranquillement. Euh, D'abord, ce sera l'archer en premier, et après le healer et Le healer il vaut 250 la une c'est peut-être difficile euh... on va essayer avec ça et on va essayer un autre truc c'est à dire que euh... l'unité ici euh... en gros s'il a un buddy s'il a un healer buddy ensuite il fait ça et sinon, il va. En gros, en gros, l'idée c'est que si le range n'a pas son euh, petit son petit healer avec lui, il va pas attaquer, parce que c'est dangereux. Mais s'il a un healer avec lui, il va attaquer. Et les, euh, mais attaque, bah ils, ils viendront à la rescousse au moment euh, au moment voulu. On va essayer avec ça. On va essayer avec ça, mais pas en mode. Euh, on va essayer contre euh, contre lui, tiens. Le même le même bout de code. Juste pour voir ce que ça donne au niveau euh, au niveau si c'est moi ça fonctionne ou pas. Donc, lui il est là et moi je suis là. Ah, merde. Alors, donc ça ne marche pas parce que je crois que comme. Oui, bah oui ça marche pas. Parce que, chose que j'ai oublié, c'est qu'ici, euh, je contrôle le lower... work. Mais ici, je, il faut que je contrôle le carry. Et donc, euh, ici, il faut que je désactive tout ce qui est la partie source parce que je n'en ai pas besoin. Et voilà. Je vais retravailler la, la base du code. Euh, pour que ça, ça, ça soit un rapport avec le mode de jeu quoi. Mais il se peut que ce soit intéressant de garder après les éléments de carry et tout ça pour que euh, pour qu'après on puisse avoir euh... que dans le range le malheureusement, il a pas attendu le healer. C'est ça qui me c'est ça qui me tracasse. Et là on a une grosse unité d'attaque qu'on est en train de sortir on est en train de récupérer de l'énergie à foison euh, donc on va corriger ça c'est à dire que le euh, range si il a un healer buddy, euh... normalement il devrait pas faire il devrait pas aller là hein. Alors attendez parce que Comment on peut corriger ça Ah oui, le chat, il va être... Un... Je vais cacher le chat. Je vais le remettre à gauche. Voilà. Maintenant, vous avez un peu une idée. Ah, parce qu'il va chercher l'ennemi. Oui, ben bah d'accord, ok. Je viens pour... de comprendre pourquoi. Il faut que je le fasse comme ça. qu'il a pas un buddy avec lui, il va pas aller attaquer du monde quoi. Voilà. Donc si on fait le test maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Donc normalement on a voilà notre buddy. Il a eu un bug, c'est normal, voilà. Lui, bon, il part est par à l'attaque, c'est pas grave. Et là, et là, ils ont un buddy. Alors le problème, c'est que ils n'ont pas vraiment attendu qu'il apparaisse, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va avancer un peu, parce que la carte est un peu... Voilà. Et donc ils vont plus vite, c'est bien intéressant ça. Et on a les healers prêts à vous savez quoi, euh, on va faire une dernière game donc euh, de Calif. Voilà, dernière gamme de qualif, euh, j'ai gagné contre le Gugus. Bon, certes, il y a des erreurs, mais euh Voilà, ils y vont. Ah, il a quand même eu du combat. Hein Alors ah, attendez, 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 parce qu'il faut que je regarde ce qui se passe. il bon, faut qu'on regarde ce qui s'est passé. Alors, il, il a fait des unités de combat. Hein il a fait, ah, il a fait des, des range attaques avec du heal, d'accord. Et on a réussi à quand même gagner avec ça. Putain. Ah oui parce que je pense que le truc tant que euh... je vais vérifier un truc parce que le range le range là voilà, et en plus il recule il veut pas m'attaquer hein ah, il a pas voulu m'attaquer pour l'instant tant qu'il se sent pas attaqué je crois qu'il doit avoir un bug dans son il doit avoir un bug dans son code parce que tant qu'il m'attaque pas c'est bizarre ça ah. Je pense qu'il était en train de tester son code et il n'a pas, de... pas eu le temps de le mettre en place. Bon, ça arrive. Hein. En tout cas, j'ai l'avantage. En tout cas, il se self-heal pas lui-même. Ça, c'est bizarre. Parce que normalement, le heal, chose qu'il faut savoir, même si le heal, c'est à distance pour certains. Euh... Ah, attends, le range heal. Et Là, il y a un conteneur qui vient d'apparaître. Le, le hill il est proche. Ah le range hill ça permet de faire ça Non quand même pas. Je le maîtrise le gus. Mais je pense que là la prochaine évolution c'est je vais faire des groupes de... des, 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 des groupes des groupes d'unités de, de, alors ça ce sera hors stream hein. je ne donne pas mes recettes secrètes Allez, il reste plus que plus beaucoup là Allez, dépêchez vous de le détruire alors lui il est parti ça y est eux ils sont partis là-haut ah si ce il lui-même. Il est lui-même. Il a arrêté. Et là, ils sont tous remontés. Ils sont tous remontés parce qu'il y a encore des unités, malheureusement. Donc, comme il n'y a plus d'unités de ce côté-là, donc ils sont tous allés partir de taper les unités. Il n'y a plus d'unités. Donc, maintenant, demi-tour. Comme on est dans des marécages, malheureusement, ils prennent 30 ans pour se déplacer. Voilà, à l'attaque. Eux, ils vont sûrement chercher leur container qui est apparu là derrière ici, puisqu'ils n'ont plus d'énergie. Ils vont se faire poutrer. Voilà. Hein et moi de mon côté ça donne quoi bah ça donne que j'ai pas besoin d'utiliser plus pour l'instant face enfin, c'est cool et coloré contrairement au World. Bah, le, le World, si tu veux, il, a, il est en cours de, de travail, hein. c'est toujours en cours. Hein. C'est juste que euh, le Arena, c'est vrai que c'était un projet à part. Je pense que c'est les, les mêmes développeurs, mais ils, ont, mais ils avaient une plus grosse équipe euh, au moment où ils l'ont développé. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça aboutit. Après, chose qu'il faut savoir, c'est ça, c'est un peu aussi le, le, le prochain visuel qu'aura euh, possiblement World. faut juste que. Euh... Alors, putain, je suis en train de le pourchasser. Voilà, le problème, c'est qu'il a pas eu le temps. Je suis en train de le poutrer ça même en, voilà. Maintenant les unités remontent, on va les poutrer son spawn. Ça va être top. Ouais, ce serait cool, ce serait cool. Et après sur le world, tu as déjà accès à la carte numéro, à la carte V2, qui euh, ça fait quoi Ça fait un bon moment qu'elle est en V2. Euh, il est vrai que ce serait intéressant d'avoir des news un peu de ce qu'ils font. Euh, c'est vrai que c'est le côté un peu négatif, parce qu'il n'y a pas énormément de news. Et voilà. Donc on a fini nos, nos games de classement. On est classé 1036 au total sur. Euh, non, on a 1036 de points. On est classé 123e. Et 123e, c'est quand même plutôt haut. Je m'attendais pas à arriver aussi haut. Et en sachant que bien sûr, hein, le premier, c'est Tiga. Tiga, il est très connu dans la communauté. Et ce qu'on appelle, on a du fame. Le fame c'est quand vous cliquez sur start le game va créer euh, un classement de 10 adversaires un incrément en, qui augmente en puissance chaque victoire sur le classement vous donne un point de fame. Est-ce que ça intéresserait qu'on lance le code dire on prend le code tel quel, on lance et on voit ce que ça donne. Ça fera 10 games d'un coup. Si je gagne au moins un point ce serait cool, sinon tant pis, hein, ça permet de montrer un peu le concept. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, ce sera bien pour les deux vidéos tutoriels scripts Arena en français. Let's go qui ne tente rien n'a rien. Allons-y, voilà. Ça va lancer 10 jeux. Alors on va y avoir. On aura peut-être dû faire des prédictions. Ah oh, c'est pas grave. Ah c'est des ah c'est système donc c'est-à-dire c'est des bots c'est des bots quoi. Ah d'accord. Première victoire. Yay! Yeah euh, le reward. Ok. D'accord. En fait c'est au fur et à mesure. On peut regarder si vous voulez. On va regarder le replay. C'est exactement le même mode de jeu sauf qu'on est contre euh, système qui ne fait rien ah d'accord ok il ne fait rien donc c'était une victoire fastoche bah, victoire facile très bien match suivant je vais juste enlever le chat temporairement pour vous montrer voilà match suivant bah, c'était contre RGB knights malheureusement la version 10 de son code et ben bah, j'ai parlé j'ai perdu donc euh, j'ai perdu mon combo next que en vrai, concrètement, selon le nombre de victoires que j'ai, j'ai un combo et je gagne x x plus de, de points en fait. Donc, le problème, c'est que je suis en train de jouer contre des gugus qui sont bons, quoi. Donc, euh... et mon code, il est pas parfait, quoi. Alors ça c'est le nombre de fame qu'ils ont. Putain regardez-moi ça. Je crois que ça c'est le nombre de c'est le nombre de puissance qu'ils ont, c'est la fame qu'ils ont. C'est-à-dire que là c'est fini. j'ai déjà le premier, j'ai perdu. Euh, ça veut tout dire. <laughs> oh putain. Bon ben ça montre à quel point il faut s'accrocher hein. Voilà. C'est dire que j'ai gagné contre système parce qu'il faisait rien, mais le premier match contre un joueur de difficulté de 304 bah ben, j'ai foiré euh, littéralement quoi. Et voir pourquoi on a foiré. Parce que celui-là il fait apparaître des unités. Et des grosses unités je parie. Ah oh, ça va non c'est des unités normales. Exactement la même chose que moi sauf que je pense que je me suis fait poutrer la tête euh, Fastoche quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un il y a eu un fight entre deux là ici j'imagine ici. Voilà, il y a eu le fight entre deux. Ils se sont fightés, moi mes unités ils ont pris plus de dégâts parce que je ne sont pas sont pas optimisés par rapport à lui. Bon. C'est juste possiblement parce qu'il faudrait possiblement que je fasse tout simplement ça. Ça me permettrait de gagner un peu. Voilà, savez quoi On va refaire. Euh... Ah, d'accord. Et ça, c'est tous les jours. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Next fame dans deux heures. Donc enfin, ça c'est bien. Tous les jours on a droit à ça. Très bien. Euh... Faisons un test avec le code. Si on fait euh... une, deux, trois, quatre. On va faire cinq parties ce... et on arrête jusqu'à ce qu'on perde. On va faire dans cinq parties avec le nouveau code. Et bonsoir à toi Marc Antouf. Comment vas-tu Désolé, t'arrives sur la fin du stream. Là on finit deux, on finit encore une game, les cinq games et euh, on regarde vite fait. Et après on coupe le stream. Ce sera bien sûr en VOD sur la chaîne Twitch et en VOD sur la chaîne YouTube. Donc voilà, tu pourras toujours regarder les VOD sur YouTube ou sur Twitch euh, si un jour tu as le temps. Mais alors j'ai eu sur cinq matchs deux victoires, trois défaites. C'est un bon ratio. Euh, j'ai perdu quand même quinze ici, neuf centiques. Ah, dire que celui-là, j'ai quand, quand même eu un bon combat contre lui. Allons voir vite fait. Quel était le combat quand même Je suis à gauche, il est à droite. Où se trouve le fight Ok, le fight va se trouver en bas. Ah, ah attendez, 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 Ah oui, c'est même pas du tout du fight, c'est eux qui sont allés chercher les, les ressources. Donc je les, je les ai pour s'acheter, bien sûr. Hein. Holy shit! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que j'ai perdu. Regardez-moi un peu la puissance de ces unités là. Ah oui, c'est. T'as une IA sur Scripps World Oui, oui, sur Scripps World, j'existe. Je... Euh, je vous... Ah, vous savez quoi Je lance le jeu juste après la fin du stream, comme ça je vous montre. Euh, où je me trouve sur Scripps World. Là, il y a eu un fight. Ouais, ok. Là, il y a eu le fight. Lui il se heal tout le temps lui. Ils sont overpété. Ben c'est juste qu'il a une bonne stratégie par rapport à moi quoi. C'est à dire que c'est son code version 13, moi c'est la version quatre. Euh, il a eu de, il a eu du, du temps pour pour finir son code. Donc euh, bon, voilà. C'était euh, Scripps Arena. Alors j'ai surtout montré le spawn in swamp et le tutoriel. Euh, pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à euh, bah, rejoindre la chaîne Twitch, qui seront le lien euh, Le lien sera dans la description de la vidéo. Je, je pense que tous les codes que j'ai actuellement là, tous les codes qui ont été montrés durant le stream, je vais les mettre sur un git, un git ouvert. C'est-à-dire que ce seront des exemples que vous pourrez vous inspirer. J'essaierai de les commenter, comme ça ils seront commentés comme il faut. Ils pourraient aussi être pratiques pour, euh, pour avoir une version française de chaque code. Et bien sûr, peut-être que le projet de traduire le tutoriel sur un site web ce serait pas bête. Parce que ce pour être franche, ce serait pas mal. Donc voilà, ça c'était Scripts World, les amis. Euh, je vais euh, quitter ça. Euh, quitter ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Euh, Scripts World. Voyons voir, on va vous montrer Scripts World. Et on finira sur ça, bien entendu. Tu as aperçu Adventureland. Ouais, je l'ai acheté. Qui est un très bon jeu. Il faut que j'y joue maintenant. Il faut que je trouve des objectifs pour jouer dessus. Alors oui, on pourrait avoir un serveur privé, un script si un jour ça vous intéresse et que vous avez acheté. Alors... Que vous avez acheté Script sur Steam, si ça vous intéresse, on pourrait ouvrir un serveur privé en tout cas. Euh, je peux en ouvrir un, il n'y a pas de problème. Euh, alors, monde persistant, je ne vais pas aller dans euh, le mode saisonnier, parce que je crois que même le mode saisonnier, je crois qu'il est fini en plus. Je vérifie. Hein. Non, bon, il ne peut pas. Euh, global Control, 15 roues, voilà, ok. Donc moi je suis sur le chart 0, pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux par défaut, je crois que vous êtes sur le charme 3. Moi, je suis sur le 0. Et je me trouve en position euh, E1N17, W1N16 et en E1N12. Et donc, la salle que j'ai principalement, c'est celle-là. Voilà mes unités. Voilà un peu mon. Cette salle n'a pas bougé depuis peut-être deux ans, trois ans, je pense. Je n'ai jamais eu le temps de travailler sur mon code, euh, pour vous montrer, je pense. Ah, attendez. PS Code, voilà, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est Steam qui fait ça. Donc voilà. En gros, moi, je, dans mon concept, c'est, euh, dans le concept de, 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 mon, de mon bout de code, t'as blindé le jeu, as installé combien de gigas? as la blinde de jeu? Euh, ouais. Ouais ouais j'ai la blinde de jeux oui. j'ai énormément de jeux je, je crois que mes jeux prennent on va dire la moitié de mes disques durs chacun presque j'en ai deux de disques durs donc concrètement moi dans ma logique ça fonctionne comme ça en gros j'ai un système de système de triple spawn en gros chacun des spawns peuvent libérer un peu de surcharge d'un des spawns par exemple si je veux faire apparaître plein d'unités imaginez euh, alors attendez, je vais rechercher dans mon code, je vais faire un test. Euh, manager population. Non c'est pas ça, c'est dans main. J'ai normalement une capacité de tuer tout le monde. Euh, room cleaning, je suis pas sûr que ce soit ça. Euh, config. Vais être là dedans euh, config config manager build big tasks euh, euh, market mind, population euh, 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 spawn c'est pas ça manager transfer role expédition ennemi allié ah oui j'ai des ennemis des alliés <laughs> t'as vu tera ou quoi j'en ai deux je peux pas installer le car non j'ai deux tera sur le gros alors attendez j'ai euh, voilà c'est ça j'ai deux tera sur le gros il me reste 300 gigas j'ai un tera sur le Petit, euh, sur mon premier disque dur euh, D, là où il y a tous les jeux, littéralement, c'est un disque prévu pour les jeux, mais que ce soit Steam hors Steam. Mais je crois que je dois utiliser euh, la moitié du disque ici par jeu, là j'utilise je bah, toute la place, et le 2E c'est du backup, voilà, tout simplement. Euh, donc non, je ne trouve plus, ou alors c'est dans Blueprint. Ah oui, parce que ça, ça c'est énorme, c'est que j'ai créé un système. Alors c'est pas compliqué, hein, mais j'ai créé un système de blueprint. Euh, je vais essayer de vous montrer un peu le concept. Euh, manager build. Euh, je crois que c'est ça. Non, c'est autobuild. Main color blueprint, c'est main color et blueprint autobuild. Donc il faut que je vois la config. C'est dans euh, manager autobuild. Main color brown, blueprint brown. Donc si on fait ça, je vous, je vous donne l'exemple. Euh, je veux par exemple créer ce truc là, le gros truc au milieu, le lotus, j'appelle ça. Euh, on va appeler euh, lotus, je crois que ça s'appelle. Je mets brown brown. Si normalement tout va bien. Pour un tic, vous allez voir un truc. Si tout va bien. Ou est-ce que ça va bugger? Non, alors j'ai peut-être oublié un truc. Ça s'appelle et pas blueprint, pas Lotus, putain. Euh, donc je retire le flag, on le recrée. C'est lipad brown brown. Voilà. On passe au tick suivant. Voilà, ça y est, c'est ça, voilà. Ça, c'est mon c'est mon système. Alors c'est pas un système qui est, euh, c'est pas un système que j'ai inventé, c'est un système qui existe déjà. Hein. Mais donc, concrètement, j'ai un système où je peux créer des euh, des blueprints concrètement avec euh, des définitions comme ça euh, par liste avec des positions x y pour chacun des éléments. Donc pour les routes, les extensions, les, la tour et le, les, les liens, en gros tout ça. Et en gros, je peux euh, dire bah tiens, je veux poser ce truc-là. Et le système, il est bien foutu dans le sens où il va scanner un peu tout ce qu'il y a déjà. Si par exemple il y a déjà des éléments qui traînent, bah il l'affiche pas et il me dit bah voilà comment, quoi ça ressemble avec les murs et tout ça. Donc, par exemple, ce que je peux dire, c'est que euh, si je veux en faire un par exemple ici, bah il va me dire bah attention, enfin il va me dire, il va me montrer ici bah voilà comment je vais pouvoir le construire dire que je vais pouvoir le construire là. En revanche, euh, il ne fait pas attention à s'il y a un mur, il arrête. C'est-à-dire que s'il y a un mur, il essaie de passer au travers. Voilà, il passe au travers. Donc Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je corrige, mais voilà, ça, c'est euh, un truc futur. Voilà. Et donc, concrètement, moi, j'ai ce système-là. Donc, j'ai ma, ma, on va dire, appelé ça mon, un lilypad, -li parce que ça ressemble à un nénuphar, en fait. En anglais, c'est lilypad, -li nénuphar. Ça ressemble beaucoup à un nénuphar, hein, franchement et donc c'est un truc qui fonctionne plutôt bien j'avoue que je, je suis plutôt content alors certes il y a encore des optimisations à faire il y a peut-être des op il peut-être des meilleurs systèmes qui existent ce genre de choses voilà euh, ça ensuite ça s'appelle comment je l'ai comment ça je l'ai appelé... je ouais c'est ça je l'ai appelé alors ça ici ce petit truc là ici ça c'est le, le le nid du supplier donc le supplier c'est un petit script c'est une petite unité un script qui euh, qui reste H24 ici ou en gros euh, mes unités, concrètement, ce qui se passe, mais, mais celles qui récoltent l'énergie, il y a des liens qui se trouvent là. Quand les liens sont remplis, ça envoie vers le lien euh, de, 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 du nid. Lui, il récupère l'énergie du lien, il le stocke soit dans le stockage, soit dans le terminal, ou alors il remet de l'énergie dans le lien pour l'envoyer vers le nid du phare. Concrètement, c'est ça, ça ma logique de, de jeu. Et là, après, ben, c'est tout simplement une optimisation. Je me suis dit, ben, c'est pas mal, c'est plutôt joli de faire comme ça. Donc, j'ai fait ça. Euh, toujours, un truc qu'il faut savoir, c'est que je mets toujours un rempart dans les cases où le contrôleur est visible. Pourquoi je mets un rempart Parce que les ennemis ne peuvent pas passer à le rempart tant que ce n'est pas public. Donc, il faut d'abord pour attaquer le contrôleur, il faut d'abord qu'ils détruisent mes remparts. C'est important. Et euh, donc voilà. Après moi j'ai après voilà j'ai séparé la, la room en deux parce que en fait il faut savoir un truc c'est qu'il y a un joueur qui se trouve au-dessus et en dessous qui aime bien aller sur ma salle et donc je lui ai laissé la capacité de, de naviguer dans la salle plus facilement. Je pourrais très bien fermer là et là mais euh, voilà j'avais pas envie. Donc ça c'est une salle. Euh, je peux vous montrer par exemple cette salle là qui est exactement la, qui a exactement la même logique. Alors qui est un peu moins fournie parce qu'en fait j'ai pas prévu euh, j'ai pas j'ai pas suivi les constructions en fait. Euh, je vais peut-être resuivre suivre les constructions pour que voilà on puisse faire ça. Donc euh, j'oublie pas, il me manque une tour, je vais la mettre là. Voilà, euh, c'est déjà pas mal ça. Voilà, ça leur permet de faire du travail. Ça fait trois ans, ça doit faire deux ans que c'est pas en route quoi. Elles sont géniales les salles. ouais En plus, ça, alors ça pour ceux pour ceux qui connaissent pas aussi le concept, c'est que dans le jeu vous avez ce concept des décorations. Donc en gros c'est Vous pouvez décorer une salle avec des, euh, des trucs que vous, euh, en fait, avec les pixels. Et comment vous gagnez des pixels Je vous montre, voilà. Donc les pixels vous permettent en fait de débloquer des cosmétiques, si vous voulez, Les cosmétiques après, vous pouvez acheter sur le marché de la communauté Steam ou que vous pouvez débloquer en, euh, en utilisant des pixels. Et les pixels, soit vous pouvez les acheter euh, en donnant de l'argent aux, euh, aux développeurs, soit en utilisant la méthode suivante. Mais la méthode suivante consomme 10 000 de CPU. Donc ça, il faut comprendre la logique du CPU pour euh, pour comprendre ce que c'est, en fait. Génial, mais aussi surtout géante. Ouais. Et donc, ben, voilà. Et en fait, si vous voulez, j'ai une pleutrée d'éléments de cosmétisation, on va dire, qui traînent dans mon inventaire. Donc, si un jour, si un jour vous voulez des cosmétiques, je voulais vous donner des cosmétiques, euh, vous pouvez, alors, vous pouvez lier vos comptes, votre, vous pouvez vous lier vos comptes avec Steam, sans passer par l'applicatif Steam, par l'appli, le, le client Steam. Vous pouvez lier votre compte Steam, et ensuite ici, ce sera là, en fait. Tu penses que tu peux... le marché où oui, tu peux en acheter Moi, bon, il y a certains trucs. Je crois que j'ai déjà les récupérés depuis le marché Steam euh, de souvenir. Et euh, la dernière salle que je vous ai pas montrée, c'est celle-là, qui est à peu près pareille que l'autre. Et je pense que c'est un peu plus fourni celle-là, voilà. Euh... Et donc il y a exactement la même chose. Hein, euh... Alors lui, malheureusement, il n'a pas de lui n'a pas de lien parce que euh, le lien ici ne servait à rien. Il y avait, c'était pas assez euh... intéressant. La récompense à 500 points nutement durant les streams sur Scripps. C'est quoi? Euh... Ah la la roue des prix, tu veux dire Tu veux faire une roue des prix, t'es malade, toi T'es un malade. Moi je fais pas ça, moi. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Je fais pas gagner un un item de Non, non, ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ou alors il faut vraiment que les items, je veux m'en débarrasser, quoi. Là, ce sont des trucs que j'ai gardé quand même parce que comme ça, je pouvais en garder. Euh, on pourrait faire des petits, des petits, des petits concours, des petits trucs comme ça pour s'amuser, mais c'est non, 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 non. Ah puis j'ai des jetons pour débloquer aussi du CPU aussi. Voilà. Bon. Bref. Et puis j'ai ces jetons là aussi. J'ai participé aux saisons. Ah, c'est marrant, c'est parce que non, je devrais pas avoir ça. Je devrais pas l'avoir trois fois. Je devrais l'avoir trois saisons différentes, mais je crois qu'il y a eu un bug. Bon, c'est pas grave. Euh, je peux pas le transférer vers Steam par exemple, si je fais. Euh... Comment on fait déjà pour sélectionner les... Ah, c'est ça. Je peux pas les transférer des badges, d'accord. Ça sert à quoi, concrètement, le CPU? Le CPU, c'est ce qui permet d'exécuter ton code, en fait, en gros. Concrètement, imagine, en fait, c si tu veux, le terme CPU, c'est pas vraiment le même, le bon terme qui est utilisable sur le jeu. Mais ils ont appelé ça ce qu'on appelle du CPU. Concrètement, le CPU sur le jeu, alors, ce n'est pas le CPU comme un ordinateur, le CPU, c'est ton temps d'exécution de code. Donc, par exemple, ici, moi, mon CPU, j'ai 20 CPU. Donc, mon code peut s'exécuter pendant 20 millisecondes. C'est surtout ça que ça veut dire. Et que donc, pendant 20 millisecondes, mon code peut s'exécuter. Mais si mon code s'exécute après 20 millisecondes, à ce moment-là, soit mon code est coupé, dans le sens, euh, il est euh, arrêté, parce qu'il a dépassé les 20 millisecondes. Soit il va piocher dans ce qu'on appelle le, le saut, le bucket. Euh, alors là pour vous montrer le bucket, euh, je vais vous montrer le bucket directement dans la console. En gros, pour récupérer le bucket, vous faites game.bucket euh, cpu. Euh, je crois que c'est bucket. Voilà. Et game.cpu le en fait le bucket, concrètement, c'est un saut, c'est une sorte de stockage de surplus de CPU. Comment fonctionne le surplus Alors, le mieux là, c'est de passer par le tutoriel, euh, par, le, par le, la documentation. Donc, je vais, je vais vous montrer ça. Voilà. Concrètement, vous allez voir avec les images, ça vous, ça vous donnera plus de sens. Euh, CPU limite. Donc, voilà. Avec cette image surtout. Euh, je vais zoomer. Voilà. Surtout cette image. En gros, imaginez, euh, j'y vais, tout le monde, bye tout le monde, bonne, bonne nuit. Bah, merci d'être venu, Fleck, et euh, bonne nuit à toi aussi. À la prochaine. J'ai cru que tu allais dire que c'était. Ce qui servait à faire tourner mon PC. Non. Bah, as le CPU le CPU sur ton PC, c'est ce qui fait tourner tout le, tout le PC. C'est le CPU, le, le Central Processional Unit. Voilà. Et, mais dans le jeu, le CPU, ce n'est pas la même chose. Le CPU, en plus, c'est même pas un. C'est même, une... même, un... même, un... même pas un acronyme CPU. C'est vraiment le concept. On a 20 CPU en achetant le jeu. Non, par défaut, tous les joueurs qui arrivent sur le jeu. Alors c'est écrit normalement euh, si on revient dans le Word Shard voilà. par défaut alors par défaut si tu es sur Shard 3 tu as 20 CPU et ça c'est la limite en plus du Shard 3 c'est-à-dire tu peux pas aller au-delà de 20 en revanche sur le Shard 0 1 et 2 tu n'as pas de limite de CPU et en gros euh, il faut savoir que euh, en gros là j'ai 20 CPU par défaut parce que maintenant tout le monde est à 20 CPU mais je peux utiliser euh, dans mon inventaire voilà des CPU unlocks ou en gros, pendant une journée, je peux débloquer mon potentiel total de CPU en utilisant un jeton, en sachant que un jeton, ça coûte cher sur le marché, sur le market, donc marché officiel, ça coûte un, deux, trois, quatre, vingt-six millions de crédits. J'en ai onze mille crédits actuellement. Comme cette persistance du Non. Comment on change Comment on change quoi Comment on change de charte, tu veux dire Mais CPU, il n'y a pas d'acronyme, c'est CPU. Voilà. C'est le temps d'exécution, si tu veux. Yep. Alors, pour changer de, de shard, pour changer de serveur, en fait, il faut que tu ailles dans le, la map. Non, la carte. Tu vas dans la carte, World. Il voilà, faut que tu ailles sur ta carte. Et ici, tu as un bouton ici, shard. Shard et le numéro de ton shard. Et si tu cliques dessus, bah tu peux euh, cliquer sur euh, un des shards que tu veux changer. Et quand tu cliques sur un shard, bah, tu vas cliquer sur un shard. Voilà. Et euh, moi, par exemple, je vais prendre, je sais pas, on va prendre, je vais prendre cette salle-là. Euh, alors, malheureusement, je peux pas, je peux pas apparaître comme un nouveau joueur. C'est-à-dire que comme, en fait, j'existe déjà dans le chart 0, en fait, si par exemple, je veux m'installer, par exemple, sur le chart 2, en fait, il faudrait que de le 0, j'aille, c'est ça qui est énorme, il faut que dans le Shard 0, j'aille à cet endroit-là, que j'aille envoyer des unités dans le portail, qui m'envoient sur le Shard 1, qui arrive ici, et qu'ensuite, dans le char 1, que j'aille sur le portail, euh, un portail, un autre portail qui va se trouver sûrement ici, que euh, euh, voilà. je vais aller sur un autre portail pour aller dans le char 2, et à ce moment-là, dans le char 2, euh, je vais trouver une salle qui m'est utile, par exemple, pour m'installer. Ça, c'est quand tu es déjà en jeu, c'est-à-dire quand tu t'es déjà installé sur un serveur. En revanche, il euh, y a un truc qui existe, c'est euh, tu peux euh, littéralement cliquer sur le bouton respawn sur le profil en haut pour dire bah ça détruit toutes tes salles et là tu as la capacité de changer de serveur librement et de changer de spawn, enfin de, re de recréer une, un nouveau spawn et donc de reprendre le contrôle d'une salle nouvelle. Voilà. Mais comme actuellement j'existe déjà en fait dans la game pour changer de serveur, concrètement un serveur, un shard, c'est un serveur. Hein. oups, pour que je puisse passer d'un shard à un autre, il faudrait que j'envoie des unités d'un shard à un autre. Voilà. Donc pour en revenir sur ce que je disais, le CPU, donc le CPU, c'est le temps d'exécution de ton code. Par défaut, on a tous 20. Et sur le shard 3, on est limité à 20 et on ne peut pas aller plus loin. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que quand ton code, par exemple, ton code, au lieu d'utiliser 20 de CPU, il paraît même d'utiliser 10 de CPU. Alors attends, c'est ça que je veux. Euh, Hmm. Voilà. En gros, c'est concrètement, si ton code prend, prend 10 millisecondes d'exécution, donc il a utilisé 10 de CPU, mais tu as eu un surplus de 10 CPU. C'est-à-dire que tu as eu un vide de 10 CPU. Parce que concrètement, en fait, à chaque tick, le serveur te donne en fait 20 de CPU maximum. C'est-à-dire qu'il te, te fournit 20. Il te fournit un ticket qui contient, enfin, il te fournit 20 tickets, on va dire. Tu dis, mon code, il va utiliser 10 de CPU. Donc, il me reste 10 de CPU en trop. Ben, en fait, ces 10 de CPU en trop sont fournis dans le bucket, dans le saut. Et donc, en fait, tout, à chaque itération du serveur, à chaque tic, tout le CPU que tu n'as pas utilisé est, un, est, euh, est envoyé vers le bucket. Donc, au bout d'un certain temps, ton bucket va commencer à se remplir. Et, en fait, il faut savoir un truc, c'est que le bucket, il a une limite, littéralement, de 10 000 CPU. dont, d'où le, euh, si je reviens ici, dans le pixels, voilà, le gameCPU.generatePixel va consommer 10 000 de CPU. Alors, je vais, je vais revérifier quand même, euh, on va aller voir l'API. C'est une réserve, c'est ça. C'est concrètement, c'est une réserve. Mais, euh, et, je j'ai pas encore fini encore. Là, je veux juste vérifier un truc, c'est CPU, générer de pixels. Voilà, ça, ça utilise le bucket. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, la fonction pour générer des pixels, ça génère un pixel d'unité pour 10 000 de CPU dans ton bucket. Ou en gros, ça littéralement, ça euh, aspire ton bucket d'un coup. C'est-à-dire que pendant un tick, ton bucket, il se vide et tu n'as plus rien. Voilà. Et en gros, il faut savoir un truc, c'est que quand ton bucket, il est rempli, donc c'est quand tu est rempli d'une certaine quantité, si par exemple ton code, un jour, au lieu de faire 10 régulièrement, un, un jour, il a besoin d'exécuter par exemple 50 millisecondes. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser les 20 de CPU normaux et il va récupérer 30 de ton bucket pour faire les 50. Voilà, ça pioche dedans. Ce qui fait que si ton code malheureusement n'est pas optimisé et que tous les ticks, tu utilises par exemple 25 de CPU, parce que peut-être tu as un bug et que euh, tu n'as pas optimisé ton code correctement, et donc tu utilises 5 CPU de plus de surplus. Bah, le problème, c'est que ton bucket ne se remplira pas, parce que comme tu utilises trop de CPU, ton bucket va se vider. C'est-à-dire que pour remplir le bucket, il faut que ton code s'exécute inférieurement à tes 20 millisecondes de prévu. Sinon, il se vide. Et donc, ce qui fait que quand un code, euh, quand un code se lance, en fait, tous les tics ici, ça se rafraîchit, en fait. Et bien sûr, euh, il existe des systèmes qui permettent d'afficher, euh, qui permettent même d'afficher dans la, dans la map, officiel, c'est-à-dire pour montrer, pour montrer, hein, pour montrer le truc, euh, github, github.com/scripers. Euh, un truc qui est pas mal, c'est que je crois que il euh, y a un système que j'ai vu. Non, pas ça. Où il est, où il est, où il est, où il est. Où il est, où il est euh, Multimeter visual sc launcher tf15gulp Grafana, Stats, Notify, server test, OS, Profiler, euh... Scripts Visual. Non, c'est pas ça. Alors attends, euh, je vais aller dans les stars, c'est ce qui sera mieux. Euh... Scripts, Room euh... Visual. Scripts Vis, c'est ça, voilà. En gros, il y a un Gugus, il s'est si dit. Euh, dans le jeu, parce que dans dans le jeu, tu peux afficher des visuels. C'est ce que j'ai là actuellement. Tu vois, c'est ce que c'est ce que tu vois avec le texte. C'est ce que tu vois avec le les barres de vie. J'ai même développé des petites barres de vie, genre de choses. des euh, barres de des barres de de vie aussi. Alors, t'as la barre de vie dégâts et t'as la barre de vie euh, âge, si tu veux. La barre d'âge et la barre d'âge la orange là actuellement, c'est en gros les unités dans le monde, dans le world, ils ont une certaine vie. Euh, c'est quand tu vois qu'une unité se déplace, tu vois la ligne de déplacement, genre de choses. Enfin des éléments de visuel et en gros il y a des gugus ils se sont dit bah, en plus de ça on pourrait mettre un système où on peut afficher des éléments c'est toi qui les a développés alors les visuels non euh, les visuels alors, il y a certains visuels que j'ai fait moi-même il y en a d'autres que j'ai récupéré donc euh, voilà la barre de vie bah, je l'ai fait hein. c'est la barre de vie c'est pas compliqué c'est euh, si je te montre vite fait euh, c'est dans c'est où c'est où euh, manager euh corps c'est ça non c'est pas ça attends Show visual alors c'est dans mail alors euh... structure expédition je sais plus du tout mon code ça fait tellement longtemps que je l'ai pas regardé euh, tu vois en plus j'avais déjà en plus j'avais déjà j'avais déjà un bout de code en fait ici qui me permettait de faire de la génération de pixels sauf que comme ça utilise le bucket euh, et que très souvent le bucket ben euh... Je sais, j'avais vu ça dans le tuto. Dans le... Ouais, dans le tuto, tu peux utiliser du visual. Mais je voudrais essayer de retrouver le. Euh... Alors, par exemple, sur le manager, euh, sur RollCore, c'est ça. RollCore, en gros, j'ai une fonction que j'ai appelée qui s'appelle ShowVisual, qui permet de montrer les barres de vie. Tu vois, le ShowTTL. Voilà. Si par exemple, je commande ça, voilà. Voilà. Je, je commande ça, il y a une barre de vie qui va disparaître au prochain tick. Voilà, j'ai fait j'ai caché la barre de vie en fait, la barre de, de dash, on va dire. Mais en gros, le show TTL, si on regarde dans le, dans le code, si je le retrouve, voilà, show TTL, en gros je récupère la vie, et en fait je dessine un rectangle. Alors en fait, je dessine deux rectangles. Je dessine un rectangle blanc en première, en, dans la première couche, et au dessus, la couche au dessus, je dessine un rectangle qui va diminuer et qui changera de couleur selon un certain pourcentage. Comme je connais le nombre de points de vie totaux, enfin, je connais son, son, son âge maximum et son âge minimum, eh ben, la couleur change à chaque fois que, euh, tu vois, là, c'est orange, c'est-à-dire que c'est pas loin de la mort, tu vois. Parce qu'il a, il est vieux. Euh, est-ce que j'en ai un autre qui est vieux, là, non? Non, n'en ai pas d'autres qui sont si vieux. Tu vois, lui, il est jeune, donc il est plutôt vert. Et la barre du dessus, c'est la barre de vie. Donc, si par exemple, je me fais attaquer, bah, ben, c'est la barre de vie qui va prendre cher. C'est pas compliqué, je vais essayer d'en de refaire une, on se voit dimanche si c'est gros, je sais pas trop moi. Oui non mais enfin, je dis c'est pas compliqué. C'est vrai que de mon point de vue pour moi c'est pas compliqué. Mais d'une personne qui est pas connaisseur de ce genre de domaine de développement et de d'utiliser tout ça, c'est vrai que c'est pas c'est vrai que c'est pas évident. C'est logique. Oui, c'est voilà, c'est logique. Enfin, même même pas non, c'est même pas si logique parce que le temps de comprendre que pour afficher une barre de vie un peu en mode tu sais un mode barre de vie avec deux, avec un fond blanc pour que ça se voit mieux Fallait, fallait le comprendre qu'il faut dessiner rectangle. Voilà. Alors après il y a un autre truc ce qu'il faut savoir c'est que euh, dans le dans le dans le dans le tutoriel dans l'information on je crois que c'est écrit euh, c'est écrit quelque part je crois. Euh, c'est alors c'est écrit dans l'API ça c'est sûr. C'est euh, Map Visual voilà Map Visual et un truc qu'il faut savoir c'est que euh, tu as une capacité en fait d'affichage de euh, 1 méga en fait de de données. C'est-à-dire que c'est-à-dire que en fait à chaque fois que tu vas afficher un élément sur le jeu, sur la map, ça va utiliser une certaine place en fait, une certaine taille. Et donc plus tu vas ajouter d'éléments, plus ça va prendre de la place. Ce qui fait que sur euh, je, alors je sais pas si c'est euh, si c'est concaténé avec toutes les salles. C'est-à-dire que il faudrait vérifier euh, il faudrait que je vérifie le... le get size tiens on va aller faire ça euh, get size si je fais ça euh, game map visual get size si actuellement je regarde la size actuellement de visual alors c'est zéro certainement alors ah, mais c'est game map c'est pas game map qu'il faut que je regarde c'est visual euh, c'est game alors game c'est pas visual non alors c'est pas c'est pas je suis bête je suis vraiment bête c'est tout simplement visual room visual get size je suis ouais, pas sûr que ce soit ça mais c'est en gros c'est euh, game uh, get object by id uh, non plus so game je suis bête Rooms, c'est vraiment longtemps que j'ai pas joué. Hein. Euh, là, nous sommes sur la e 1 n 17visualgetsize Point size. Voilà, on va récupérer la taille de la de la, de la mémoire visuelle. On va dire la mémoire du visual. Et là, je dis 4331 sur les. Euh, c'est room. Room visual. C'est 500 kilos. 500 kilos sérialisé de data par salle. Ah alors, est-ce que c'est un, est un byte, donc c'est 4 kilos. Actuellement, j'utilise 4 kilos de visual sur, sa, sur la room. Donc c'est 500 kilos par room. Donc c'est pratique. Donc ça veut dire que j'ai encore 400 et quelques kilos dispo de, de visuel en fait. Donc je suis encore très large au niveau visuel. C'est cool. Mais bon. Euh, est-ce que j'avais fini sur le visuel le CPU donc, Je pense que le CPU, j'ai bien expliqué. C'est surtout ça qu'il faut intéresser, qu'il faut comprendre, c'est le concept du bucket. Le bucket est très, très important. Et chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, euh, voilà, c'est, ton code s'exécute pas entièrement, ton bucket se remplit. Ton code s'exécute trop longtemps, c'est-à-dire qu'il prend trop de temps pour s'exécuter, ton bucket se vide. Quand le, quand le code tape dans les, dans le tout pile la limite prévue, ton bucket peut ne, si, ne peut ne, ni se remplir, ni se vider. Voilà, c'est important. Et en sachant que si tu veux donc des pixels, si tu es sûr que ton bucket n'est jamais utilisé, tu peux activer le système de farm. Donc par exemple, euh, moi actuellement dans mon main, j'ai défini en gros, bah, si mon bucket est équivalent à 10 000 et qu'en plus j'ai une variable qui me permet de me dire ok c'est bon, euh, active le mode, alors je génère un pixel. Mais c'est littéralement un pixel. Je ne sais pas si plus tard il va y avoir des, des évolutions futures pour éviter d'utiliser le bucket complet, mais. Euh, après voilà, c'est un peu concept du, c'est un peu le concept de minage de Bitcoin en réalité hein, à ce stade. Hein. Les... Et le but c'est de ramasser de l'énergie. Bah, non, et... non pas vraiment. Le, le but c'est pas vraiment de ramasser L'énergie, l'énergie te permet de construire des éléments et d'utiliser des structures, mais c'est pas la ressource principale. Par exemple, là dans cette salle, j'ai une ressource de zinthium. Le zinthium c'est un minéral que je peux utiliser pour faire du boost d'unité ou de la construction de commodités ou de euh... ou de, de composants un peu plus améliorés. En fait, l'énergie, c'est un peu la ressource centrale qui permet de faire de toutes les actions, mais c'est pas la c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, bah, c'est, en fait, c'est de survivre contre d'autres joueurs qui eux aussi veulent survivre et d'être le premier dans le classement aussi. Une chose qu'il faut savoir, c'est que, alors, ça c'est un objectif secondaire, on va dire, mais il y a un système de classement, hein, voilà. En sachant que le premier, on est, ah, le premier, cette fois, c'est plus Tiga. Ah! Il est où Tiga, tiens. Tiga, il est 80, et d'ici, dici underscore, je crois que c'est non. D'ici, c'est un Gugus, un vieux, vieux, vieux Gugus qui, a, qui est là depuis le début, qui est, euh, Voilà, dici avec un i, voilà. qui a un avatar très spécial, alors, voir, qui lui est classé 126 Voilà. Moi, mon classement actuel, c'est 369 euh, mois de mai. Toi, si on voit ton classement, c'est DL... DL, Mister Nico, je crois, c'est ça C'est quoi ton nom euh, sur script si tu as déjà un compte euh peut s'ajouter un ami, par exemple. Alors, Il n'y a pas de concept d'ami sur, euh, sur Scripps, mais il y a un concept de message privé sur Scripps. Ce qui fait que je peux t'envoyer un message privé, et comme ça je peux cliquer directement sur euh, ton pseudo et, euh, et accéder à ta salle, par exemple. Euh, Ollish, qui est un gus que je, qui joue avec, euh, avec moi, mais que je pense qu'il doit être en mode euh, AFK euh, depuis un moment. Il a plusieurs salles, il a une meilleure classement, mais en même temps, bon, il est sur plusieurs salles, c'est pour ça qu'il a un peu plus de classement, Mais c'était un Nico 2. Ah bon, c'est ça ton, ton nom sur scripts Non, t'existes pas. Monsieur existe pas. Bolor. Ah, Attends, si je fais message euh, non, c'est pas ça. Comment on peut aller ouais, dans world, si je te cherche là, tu n'existes pas, tu es sûrement sur le char de 3. Mais si tu n'as jamais existé aussi euh... Après sinon, tu vas sur euh, tu vas sur view profile. Alors voilà, tu vas sur view profile. Si tu es sur ton navigateur, tu peux directement cliquer euh, mais je ne mets, des... mets pas des L si c'est pas compétitif à minimum. Ah d'accord, ok. Ouais mais le problème, c'est que là, ça doit utiliser ton pseudo-Steam. Donc, euh... ah tiens, il y a un ennemi dans la salle. On va voir qui c'est. Alors, c'est pas un ennemi, si c'est tout simplement d'ici qui se promène. Voilà, il se promène. Voilà. Il se promène dans la salle. Ah, tiens, la, ligne... la fameuse ligne blanche que je disais qui permet de voir la ligne de déplacement de l'unité. Voilà. Euh, j'ai pas le temps de créer de base, j'en fais une, attends. Ah, d'accord. Non, 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 mais si t'as pas, si t'as pas créé de base, pour l'instant, fais pas, hein, c'est pas, l'objectif, c'est pas de te lancer dans le jeu maintenant. Si tu lances toi dans le jeu quand t'en as besoin, euh, non, non, je vais pas te lancer maintenant. t'inquiète Mais, si un jour tu es sur le jeu, en fait, à ce propos, si un jour tu te lances vraiment, euh, il y une chose qu'il faut savoir, c'est que je crois que c'est, euh, League of, alors euh, attends, on va y faire ça, plutôt, ce sera plus facile. Sage Il y a ce site là qui existe. C'est un site, euh, c'est bon, ok. Euh, et je crois que le site ne fonctionne plus. Ah oh, non. League of Automated Nations, c'était un site web qui était géré par la communauté, qui était un système de factions en fait. En gros, les joueurs, ils avaient intégré un système de factions dans le jeu. Le problème, c'est que je crois que le site, il doit être down. Il doit être plus, il doit plus être existant. Et en gros, euh, ça permettait d'avoir des statistiques par faction. Et on avait créé la faction Scripps France. Qui, est un, qui, est un, qui était une faction qui existait, et maintenant bon bah qui existe plus, puisque le site ne fonctionne plus. Euh, à voir peut-être sur le Discord, s'il n'y a pas eu un euh... other language third party language world code base advanced concept world euh, non arena et après script talk, ok. Ok, ben League of the Western Nation n'existe plus. J'ai plus qu'une salle random et j'ai dû l'Emergium. C'est une bonne ressource. Je ne sais plus. Euh, bah attends, maintenant on peut pouvoir te chercher. Donc c'est bien euh, Mister Nico 2. Tu existes. Ah bah t'es t'es juste là. Ok. Ah bah c'est marrant ça, ton avatar. On dirait le drapeau belge, non Hein On dirait le drapeau belge, tiens. Euh, le l'Emergium. Alors pour savoir si c'est intéressant ou pas déjà. Ce qui est intéressant, c'est que tu as une densité assez énorme. C'est-à-dire que le l'émergium que tu as ici, il y a une grande quantité d de ressources qui peut peut-être te permettre de l'être en vue. Alors, les ressources, euh, c'est dans ressources, voilà, c'est ça. Aucun rapport, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bon <laughs> Alors voilà. En gros, les minéraux sont de sept types. Tu as l'hydrogène, l'oxygène, l'utrium, le kinium, le l'émergium, le zintium et le catalyste. Par défaut, tel quel, ils ne servent à rien. En fait. Sauf à être vendus sur le marché. Euh, le marché du jeu. En gros, dans le jeu, tu as ici le market. Alors attends, peut-être qu'il faut, peut qu faut que je fasse un truc. Euh, c'est euh, j'explique des concepts dans Scripts World. J'ai peut-être oublié de faire ça aussi. Voilà. Comme ça, au moins. Euh, donc, concrètement, voilà. Ici, tu vois, ça, c'est le marché. En gros, tu peux vendre tes ressources Alors, à très faible prix. Hein. Franchement, euh, l'Emergium, il vaut 0,032 crédits. Euh, L'énergie, tu peux le vendre ça à 9, 9 crédits. L'énergie est même plus intéressante à vendre que l'Emergium. En revanche, euh, à acheter, ça peut être intéressant, par exemple, si tu veux faire des ressources spécifiques. Voilà. Euh, mais tu vois, par exemple, les ressources, tu peux les revendre. Si tu ne sais pas encore quoi faire avec les minéraux, tu peux les revendre. Et pour le site, c'est pas grave, j'ai mon petit truc, moi je l'ai noté et tout. Pour le site, c'est-à-dire le, Sur le, la page web Bon. Et pareil pour les commodités, enfin les ressources euh, pures de, que tu peux... Oh, tu as du métal, de la biomasse, silicone et du mist. Alors ça, ce sont deux types de ressources. Pour l'instant, tu ne te tracasse pas avec ça, moi je ne suis même pas encore. Si tu veux, ça fait des années que j'existe sur le jeu, j'ai toujours pas géré encore la partie des minéraux. League of je ne sais plus trop quoi mais non mais le site il est plus actif donc ça sert à rien que tu le notes le site n'est plus actif donc le concept n'est plus actif concrètement mais concrètement euh, alors attends pour en revenir en arrière parce que bah non je peux plus revenir en arrière euh, on va revenir comme ça je vais faire Mister Nico 2. voilà je vais cliquer sur toi je vais cliquer sur ton pseudo et je vais t'envoyer un message comme ça moi en fait, j'ai juste à faire ça message et je te trouve directement ici. C'est comme ça que je gère mes amis en fait dans scripts, si tu veux. Mais voilà. Et donc par exemple, ce que je pourrais faire, euh, est-ce que est-ce que tu as après chose que je peux faire aussi, c'est ça, c'est que avec les messages, je clique sur ton avatar et je peux accéder à ta salle directement là. Euh, je me pose une question, est-ce que tes unités, si tu as une, Alors, j'imagine que t'as pas de code base parce que je vois que tu n'apparais pas, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment tu vas disparaître. Est-ce que je pourrais t'envoyer des ressources par exemple? Mais bon, si tu n'as pas la capacité de récupérer des ressources au sol, je vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est peut-être euh, trop tôt pour toi. Euh, peut-être pour l'instant, prends le temps de corriger, euh, prends le temps de mettre en base, mettre en pratique ta base de code. Et après, euh... non, non, mais non, mais on va pas le faire maintenant. Ça va prendre trop de temps. Et là, le... là, il est un peu tard. J'aimerais pouvoir arrêter le stream. Mais euh... concrètement, pour en revenir sur les minéraux, euh, les minéraux de base, ils sont, ils servent à rien par défaut. Ils sont pratiques à vendre. Après, tu peux gagner de l'argent mais en fait ce qui est pratique c'est de les les fusionner entre eux pour ré créer en fait d'autres minéraux composés te permettant de faire des choses mais pour pouvoir les fusionner il faut des laboratoires en fait des labs qui permettent de en fait il faut trois labs deux laboratoires qui permettent de récupérer les deux ressources et un troisième qui permet de faire la, la composition et derrière en fait euh, il faut savoir que les compositions te permettent derrière d'évoluer enfin d'améliorer tes unités mais pour arriver par exemple à de l'utrium oxyde hydride faut de l'utrium et de l'hydrogène. Euh, ça, ça c'est les, 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 les fusions de base. Mais par exemple, pour commencer à aller à des fusions plus élevées, bah, il faut fusionner déjà à part d'autres trucs et fusionner d'autres trucs en même temps. Les minéraux, en fait, si tu veux, ce sera peut-être un projet en plus à faire quand tu auras ta base de code déjà euh, qui fonctionne et qui soit pas, pas énergivore dans le CPU. Et après, euh, plus tard, tu as ce qu'on appelle les commodités, donc c'est des minerais spécifiques. Et ces commodités, pour l'instant, ne servent qu'à pas grand-chose. Pour l'instant, ils ne servent à être vendus seulement que sur le marché. Voilà, ils sont, ça permet de faire ça et derrière, euh, tu peux faire des, des éléments comme ça. Et euh, ils sont vendus en fait. En fait, c'est surtout parce qu'ils sont vendus et ils sont vendus très cher. Par exemple, euh, sur le marché. Niquez mon code. Ouais, bah, non, mais touche pas à ton code alors euh, dans ce cas-là. Sur le marché de l'essence, tu peux le vendre pour euh, 1 378 000. Quoi. Mais il faut, hein, faut le faire. quoi. Voilà. Donc voilà, Scripps World, pour ceux qui ont suivi un peu la VOD après Scripps Arena, hein, ça va faire deux choses. Si un jour ça vous intéresse... Alors pour. Alors maintenant, j'en je, je, voilà, ai un peu marre, on va s'arrêter là, Nico, si ça ne te dérange pas. Euh, pour ceux donc, que ça intéresse, non, c'est bon en fait, ok. Pour ceux donc, que ça intéresse après avoir vu les deux VOD de tutoriel Scripps Arena, si vous voulez vous procurer Scripps Arena euh, sur Steam, il n'est que sur Steam, euh, actuellement, à l'heure où je parle, il vaut 16 euros. Attendez les soldes qui arrivent pour que peut-être que le jeu soit un peu moins cher ou peut-être que je ferai de gagner des clés sur le Discord officiel si on arrive à le mettre en route un peu plus dynamiquement. Si vous voulez jouer sur la version Scripps World euh, ne passez pas par la version euh, Steam, mais passez par la version web. Scripts.com. Il vous suffira de vous connecter tout simplement soit avec votre compte Steam ou si vous avez un GitHub, avec votre compte GitHub. Le tutoriel, en plus de ça, euh, il, est, euh, donc le, le tutoriel, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de faire de compte en plus. Vous pouvez aussi avoir une salle d'entraînement euh, si vous voulez tester votre code, votre base de code, ou une salle customisée où vous pouvez construire votre propre salle. C'est-à-dire que, honnêtement, je vous montre vite fait. En gros, vous avez ici une clé à molette qui vous permet par exemple de construire des, euh, de construire des éléments, voilà, euh, euh, des, des trucs comme ça. Alors, on peut mettre des murs aussi, des, des vrais murs. Voilà permettra, voilà, permettra de tester différents, euh, différentes compositions de salles différents. Euh, différents euh, scénarios par exemple euh, n'hésitez pas à faire sur le site parce que tout, tout ça c'est gratuit sur le site la version Steam de Scripps World La version Steam de Scripps World ne vous permet que d'accéder au client non officiel voilà le client non officiel ça ne sert à rien de vous acheter ça hein. ça ne sert à rien d'acheter sauf si vous voulez vraiment donner de l'argent aux développeurs mais euh, le mieux c'est de donner de l'argent euh, de temps en temps euh, vous pouvez euh, acheter le CPU Unlock Lifetime, mais ça vaut pas la peine. Hein, ça vaut vraiment pas le coup. Le, le script pour la 15 euros, c'est juste acheter le client. C'est ce que je vous montre ici, c'est le client web. Il y a sûrement des clients qui existent qui sont gratuits. Attends, j'ai acheté le jeu pour rien. Mais je te l'expliquais la dernière fois, tu m'as pas écouté. Oui, t'as acheté le jeu pour rien. Alors non, t'as pas acheté le jeu pour rien. Parce que chose qu'il faut savoir, c'est que quand on aura, si on arrive à monter un serveur privé. Le client Steam te permet de te connecter au serveur privé, je te montre. En gros, quand tu lances le client, le client officiel, tu as un onglet ici private server. Alors j'avais déjà, déjà monté un serveur scripts, mais en gros, en gros, le, le seul point positif d'acheter le client sur Steam, c'est cette capacité d'accéder au serveur privé en fait, surtout et que si la communauté française Scripps commence à avoir un peu plus d'activité, on pourra essayer de monter un serveur Scripps officiel, euh, Scripps, euh, Scripps France. Alors ce sera sur mon adresse privée, le hein. temps de trouver un, la capacité d'acheter un nom de domaine ou ça, peut-être, possiblement pas maintenant, mais ce serait là la logique. Donc, Pour ceux qui écoutent la VOD ou ceux qui sur Twitch ou sur YouTube, n'achetez pas le jeu. Vous pouvez accéder au jeu directement euh, par le navigateur gratuitement. Vous avez juste à vous inscrire avec votre compte GitHub, avec votre compte Steam ou avec un user mot de passe. Je vous conseille de le passer par Steam ou par GitHub. Parce que eux, ça vous permettra, ça vous évitera de créer un compte en plus à côté. Euh, faites, faites pas comme moi et écoutez, voilà. Faites pas comme Nico et écoutez bien ce que je vous dis. Si ça vous intéresse ensuite, si vous, le jeu vous intéresse beaucoup et que vous voulez rejoindre le euh, Discord français Scripps, voilà. Scripps France. N'hésitez pas à me contacter pour l'instant. Il n'y a pas d'invitation pour l'instant euh, publique sur le serveur parce qu'il n'y a pas d'activité. Et que euh, quand on aura de l'activité à ce moment-là, on fera avec tout les système de Discord, de automatique, machin, blablabla. Bla 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 bla. ça, on verra plus tard. Euh, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, euh, merci à ceux qui sont venus aujourd'hui sur le stream. Merci à ceux qui ont euh, qui sont venus sur le dernier stream aussi il y a deux semaines euh, de la dernière Cette vidéo sera sur en VOD sur Twitch et en VOD euh, permanent sur YouTube ce sera les, VOD, les deux VOD en question ce seront tout simplement les tutoriels Scripts Arena et à voir si plus tard on fera des tutoriels hors stream dire plutôt structurés comme on me proposait comme je le proposais Nico parce que je ne veux je me vois pas faire refaire du tutoriel sur Scripts en stream voir si je le fais en stream je le structure -à dire que j'en fais une démo littéralement une vraie démo on le structure et en fait toutes les questions qui sont posées on les, on les répondra au fur et à mesure. Mais ça demande de la préparation. Euh, ça va demander aussi peut-être de la de la restructuration de, de certaines, euh, certaines choses en plus. Donc pour l'instant, à voir au futur. Déjà, il faudrait que j'avance sur ma base de code qui est très vieille. J'essaie de l'optimiser là en ce moment euh, pour, euh, pour que ce soit plus sympa à utiliser. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit, parce qu'il est très tard. On se retrouve, pour ceux qui sont sur le stream, on se retrouve possiblement dimanche après-midi pour du Team Fortress 2. Et euh, sinon, bah, à la prochaine. Ciao, bye bye!